suis là. C'est bon, je suis là, les copains. Excusez-moi pour l'attente. Mais faut pas se précipiter quand on mange. Il faut prendre son temps. Voilà. J'ai mangé. Thank you, kind sir. Pas trop non plus, parce que sinon je m'endors. Je suis prêt. I'm ready. I'm ready to go. Alors, bienvenue les copains. Bienvenue à toutes et à tous. Du moins, re-bienvenue. Re-bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes partis pour une soirée sur Resident Evil 8. Ou village, parce que jeu de mots de ouf, bâton, ça fait 8, lol. Du coup, village 8, énorme. Ouais, Resident Evil Village, je n'ai jamais joué à un seul Resident Evil. Je sais pas si les modos ont changé le titre pour moi. Je vais voir. Pouah là là, ils ont changé. Ils ont changé le titre, vous êtes trop fort. Merci les modos. Hop. Voilà. Parfait. Très bien, les amis. Très bien, très bien. On va se lancer. Garde le FOV, je trouve que c'est un choix très important pour le jeu. Non ! Non, parce que j'ai vu du gameplay avec le FOV actuel et c'est non. C'est non. Non, non merci. C'est très gentil, mais non merci. Je vais changer le FOV parce que je peux pas, en fait. Je peux juste pas. Ça me fait mal au crâne, en fait. Merci les modos, change le titre. Non mais j'ai rajouté un truc, mais en vrai vous l'aviez déjà changé, donc voilà. Voilà, voilà. Avant de lancer, regarde le résumé du set. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, on va regarder ça ensemble. On va regarder ça ensemble. Le FOV de base est horrible. Non mais bien sûr, c'est horrible, on va le changer, tranquille. Tranquille, tranquille. C'est pas ça qui... C'est pas un FOV qui rend un jeu flippant ou pas. Hein. Voilà. Oui, il faut un mode pour le changer, j'ai un mode. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai testé vite fait hier, le mode fonctionne, c'est parfait. Vous allez voir, c'est magnifique. C'est magnifique. Et oui, il y a un résumé quand on lance le jeu. Je suis bien au courant. Je suis bien au courant. Donc, bah écoutez, on va se lancer. Hein. On va se lancer dans l'aventure ce soir. Tranquille, sors de ce corps, Marcello. Mais il n'y a pas que Marcello qui dit tranquille. Hein. Le subprime à moi les emotes. Bienvenue, Drist. Merci, Max, pour les 2 mois. Hâte de voir RE, ça va être si drôle. Merci, Joker Vegas. Pour les 34 mois, merci beaucoup. Magic Island, merci pour les 10 mois aussi de soutien. 10 mois pour... 10 mois, allez, bientôt les 1 heure... Les 1 an, pardon. Les 1 heure. Les 1 an, enfin, hâte de te voir jouer à ce jeu. Merci beaucoup, Magic Island. Aelkias, merci pour les 23 mois. C'est quoi déjà l'alerte des 24 mois, histoire que je t'aime bien? C'est bah oui, connard. Merci, Ken bah Le Philo, oui, aussi. Voilà. Celle-là, là. Merci, Ken Le Philo, pour les 55 mois de soutien. Hello Alpha, content de te revoir. Même le chat est passionné par le stream. Ah ouais, ouais. Ils sont à fond, là. Ils veulent me voir me chier dessus, là. Merci, Icar, pour le T1. Bienvenue. Merci beaucoup. Majin Pan Deadpool, 22 mois. Merci beaucoup. Convi aussi. Deldel. Merci beaucoup. Araun G. Merci pour les 2 ans de soutien. Docteur Lecter. Merci pour les 29 mois. Bah oui. Ozymandai et Capitaine Nene. Merci beaucoup, Capitaine Nene, pour les 9 mois. Et merci à Yag pour le gift de 5. Sub. Merci beaucoup, Yag. C'est super gentil, merci beaucoup. Bienvenue aux 5 nouveaux, du coup, qui nous rejoignent. Merci à toi, mon bon Yag. Et merci, Ezekiel. Ça n'arrête pas ce soir. Merci beaucoup pour les 58 mois, mon cher Ezekiel. J'espère que t'as une exo-armure auto-nettoyante pour le jeu. Ouais, ouais. Je sais pas trop à quoi on va s'attendre, là. Je vous cache pas que ça fait un peu peur. Ça fait un petit peu peur, là. Parce que moi, j'ai vraiment jamais joué à un Resident Evil, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre, là. Vraiment pas du tout. Ça se trouve, ça va être ouf. Ça se trouve, ça va me décevoir. Ça se trouve, je vais pas être à l'aise. J'en sais rien. J'en sais rien. Merci Kureoru pour les 4 mois aussi. VZ Wizio, merci pour les 2 mois. Matt Wenera aussi, merci pour le Prime. Merci beaucoup pour les subs et resubs. Avant de commencer, petite update concernant Displate. Ça avance. Ça avance le projet Displate. On va bientôt pouvoir vous partager... Voilà, la première création Displate, voilà, en partenariat avec un artiste exceptionnel qui, je crois d'ailleurs, est dans le chat. J'ai très hâte de vous montrer ça. En attendant, n'hésitez pas à utiliser mon lien Displate, hein, puisque Displate soutient la chaîne depuis maintenant plus d'1 mois. C'est insane. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a mon lien qui est partagé dans le chat. Vous avez un panel en dessous
le stream aussi. Et une fois que vous êtes sur le site, j'ai ma petite collection. Voilà. J'ai ma petite collection de trucs bien stylés. Vous pouvez un petit peu vous balader. Et je pense que d'ailleurs, je vais un petit peu aller explorer d'autres trucs potentiellement pour trouver d'autres, d'autres arts à vous partager. Mais n'hésitez pas à checker ça. Bah oui, connard. Bien sûr, vous confirmez. avec le lien dans la description, Displayed, voilà. Ouais, catégorie Heroic Fantasy, insane là, regardez ça. Regardez ça. Celui-ci, j'ai envie de me le prendre là. Celui-là, je pense que je vais me le prendre. Le Prince Rouge de Divinity, bah c'est oui, quand même le sang. Et le fameux Drist. On me demandait tout à l'heure d'ailleurs combien je l'ai eu le Drist. Voilà, le Drist, je l'ai eu en L. Voilà, il est à 79. Mais mon gars, le Drist là, il est tellement beau. Bref, merci à Displayed qui sponsorise la chaîne. N'hésitez pas, il y a le lien. Et vous avez 20% si vous prenez un Displayed et 30% de réduction si vous en prenez plus de 3. Voilà, voilou. Donc, on vous tient au courant quand le Displayed made in la chaîne sera disponible. Mais j'ai très très hâte qu'on vous partage ça parce que de ce que je vois pour le moment, c'est insane visuellement. Donc voilà, voilà, voilou. Petit changement de couleur pour ce soir. Ouais, pas eu le temps là. Un autre soir, oui, mais là, j'ai pas eu le temps. Là je peux pas tout faire. donc voilà. N'hésitez pas pour Displayed. Merci encore à Displayed qui soutient la chaîne, bien évidemment. Bien évidemment. Je trouve cela un peu cher. Eh ben franchement, Overkill, dis-toi que c'est au contraire pas très cher par rapport à des tableaux de manière générale, le prix de tableaux de manière générale. D'autant plus que cela, pour les installer et les retirer, c'est hyper facile. C'est un système d'aimant. Donc moi, je trouve que justement, au niveau budget, ils sont plutôt bien positionnés. Au contraire, quand tu compares au prix des œuvres directement, soit directement peintes ou produites par les artistes, Displayed se positionne plutôt bien en termes de tarifs, réellement. Et la qualité est bonne en plus, tout à fait. Tout à fait. Alpha, tu as un défibrillateur. On va voir si j'en ai besoin de ce soir. J'espère que non. On va voir. Merci au Slash pour les 5 gifts de sub, merci beaucoup. Bipou, merci pour les 14 mois. Kylie Bless You pour le Prime, Nico Ictus pour les 2 mois, Arakan, merci pour le Prime, bienvenue. Et Kin, merci pour les 17 mois. Hier, je me disais que te voir sur RE8 serait parfait. Sigma a-t-il entendu ma prière? Sigma? Comment ça, Sigma? C'est pas Overwatch, là? Merci Daddy Fistouille pour les 45 mois. Merci à toi. Respirez, monsieur, ça va bien se passer. J'espère. Eastside TV, merci pour les 5 mois aussi de soutien. Zelda Brico pour le T1, bienvenue. Sivers, merci pour les 4 mois en tier 3. Merci pour ta générosité, Sivers. Hâte de voir le coup de flip. Ouais, ouais. Merci Eowind aussi pour l'année de sub. Kufi. Et merci à Nintendo Demada pour les 5 gifs de sub. Ça ne s'arrête pas, le hype train, là, il va se calmer. Moi, je lance pas le jeu tant qu'il y a le hype train. Hein. Tant que vous vous abonnez, je lance pas le jeu, moi. Hein. Donc, faites votre choix. Hein. Et merci SG Rap pour le Prime. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Il n'y a pas de ceinture cardiaque. Ah non, j'en ai pas. C'est vrai que ça pourrait être une idée une prochaine fois. Ça pourrait être une idée. Pas très productif. Non, c'est vrai. C'est vrai. Je me démerde un peu mal. Merci Yashiro Amada pour les 2 mois. Pincho pour le Prime. Bienvenue. Et en plus, les gens s'abonnent. Donc en fait, vous voulez pas que j'en sois le jeu. Merci Astro Noir pour les 10 mois de soutien. Mitizine, merci pour les 31 mois. Merci beaucoup, les potes. C'est très gentil. Merci pour tous les gifts de sub. Deus Vult, merci pour les 5 gifts de sub. Et vas-y, là, vous êtes chiants, là. On va jamais lancer le jeu. Moi, j'ai envie de jouer aussi, là. Merci beaucoup. Deus Vult pour les 5 gifts de sub. Trika pour le Prime. Ryujin pour le gift de 2 subs. Merci Kesan pour les 5. Vas-y, allez, la douche. C'est la douche. C'est la douche, ça ne s'arrête pas. Merci beaucoup. Moi, c'est sûr, ça me plaît. Hein, j'adore l'argent. Mais calmez-vous. Putain, mais vraiment. Merci Kessan, merci Luberion. Merci Raphaël pour le Prime. Lazaritian pour les 5 gifts de sub. Flozirman, vas-y, ça s'arrête jamais. Vous êtes trop chiant, putain. Flozirman, merci pour les 5 gifts de sub. Merci Matricule pour les 5 aussi gifts de sub. Rostratus pour les 5 gifts de sub aussi, ça ne reste pas, vous n'arrêtez pas de gifter là. Merci beaucoup. Krishnayuga, merci pour le Prime, bienvenue. Merci Lucas Silirio pour les 5 gifts aussi. T'as vu ça, la psychologie inversée? Comme ça qu'on chope des subs. Merci Dams pour le Prime, bienvenue. Ovnix aussi pour le gift de sub. Sirwas Taken. Dionos, merci pour les 4 mois. Et un de plus, toujours un plaisir de passer la soirée en ta compagnie. Merci Dionos. Akarum, merci pour les 7 mois. Bonjour chérie, ça va trancher. Ouais, je crois. Ouais. Bah oui, connard. merci Piwix aussi pour le Prime. Bronxon.
pour les 19 mois. O/ pour les 2 gifts de sub, Macric. Ouais, vas-y là, c'est bon, putain. Attends, il en est où le hype train? Il est quel level là? Genre, vous êtes en train d'exploser le hype train là. Merci beaucoup, Broxon. O/ pour les 2 gifts, Macric pour les 13 mois. Lucas Ilrio, merci pour les 17 mois de soutien. Lixweep pour le T1. Merci, monsieur Gueux, pour les 10 gifts de sub. Merci à toi, monsieur Gueux, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci pour les gifts et les subs. Beaucoup trop de gentillesse pour le début de ce let's play. Je suis déjà en retard, mais on est encore plus en retard. On est niveau 5, voilà, ça y est, on est niveau 5. Et merci Stormland pour les bits, merci à toi. C'est cassé, c'est possible. Ouais. Ah, vous allez finir tous sub, hein, clairement. Clairement. Merci Leishmanios. Merci beaucoup pour le resub de 2 mois de soutien. Et merci Buzz Kenobi pour les 4 mois. Salut Alpha, plus d'un an que je me suis mis à regarder Twitch grâce à toi, un vrai plaisir. C'est pas si va. Imagine-toi le hype train d'Ava à 3h30 du mat à 3500%. Ouais, j'avoue. Ouais, ouais, elle nous disait ça l'autre fois quand on faisait le débrief. Elle est en PLS. Aïe, aïe, aïe. Salut les gars, le stream est sponsor. Non, ce serait précisé dans le titre si le live était sponsor. Ce serait précisé dans le titre. Alpha, bientôt plus de salive. Ouais, non, mais j'avoue, là, je vais plus avoir de salive. Hein. Heureusement, j'ai une bouteille d'eau. Je vais boire un peu. Merci, Calyptus, pour le Prime. Bienvenue, merci. C'est très gentil, merci à toi. Colonel Geek, 1050 bits. Merci à toi. Sean chaque fois, je pense à Heavy Rain. Sean, merci pour le Prime. Rohan, merci pour le gift. Excanade aussi, The Lagopus, pour les 21 mois. Twinzui, merci aussi pour les 5 gifts de sub. Twinzui, merci beaucoup. C'est très gentil, merci à toi. Et merci The Golden Banane. Merci pour le TR, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Ouais. Vous voulez pas que je lance, en fait? Vous voulez juste pas que je lance? Merci Noctafight pour le gift de sub. À Milenaz, Kirua pour le gift de sub à Cobra Gigi, Oplex. Merci pour les 5 gifts de sub aussi. Odirion pour le gift de sub à Fightier. Crastinator pour les 100 bits. Linz, merci pour les 3 mois. Merci beaucoup pour les subs, les amis. Mais j'aimerais jouer. Bon, allez, on lance. Que vous abonniez ou pas, je lance. Sinon, c'est pas mal, c'est malhonnête. Merci Tazoix. Tazoix, merci pour les 13 mois. Tazoix, merci pour les 13 mois. Et merci Red pour les 41 mois, et Frixos pour le T1. Bienvenue à toi, mon cher Frixos. Allez. La musique, elle est parfaite, en plus, pour RE8. Yikes. Allez, on lance le jeu. Je lance le jeu. C'est là qu'il faut cliquer, ouais. Je lance le jeu, ça y est, je vais mourir. Je vais mourir. Macrafouin, merci pour le T1. Merci Hiroshina pour le T1. Et Xaxou pour les 5 gifts de sub. Merci beaucoup, Xaxou, c'est très gentil. Merci à toi, merci beaucoup. Allez. Here we go. Ce jeu dispose d'une fonction sauvegarde. Yes, d'accord, j'aurai le temps de lire. Merci, Valarocar, pour les 53 mois. Allez, bon courage, merci. Merci, Elzef, aussi, pour les 4 mois de soutien. Bon courage. Pourquoi vous êtes tous à me dire bon courage, là? Ok, alors, ouais, alors d'abord, attendez, moi j'avais des questions, parce que j'ai jamais vu un menu, je n'ai rien bité au menu. Comment est-ce que je fais pour changer les options custom? Je comprends R au menu. Merci beaucoup Harmonium pour les 5 gifts de sub, Elzef pour les 4 mois, Pierre pour le T1, bienvenue. Ayamazatot, merci pour les 10 mois. Le soutien. Scroll down. Oh, oh putain, j'avais pas vu. J'avais pas vu qu'on pouvait scroll down. Mais quelle bouffe. Frame rate variable. Ah ouais, on peut scroll. Ah ouais, ça change du coup. Mode de rendu normal, entrelacé. Non mais normal. Entrelacé, c'est dégueulasse. Qualité d'image. Ah ça, c'est l'échelle de rendu. Fidelity fixe. Variable rate shading. Alors, ça, je sais pas à quoi ça sert. Oh, vas-y, là, par contre, élevé. No. C'est quoi ce menu Clacos? On est d'accord que le menu, il est pété, non?
Maximum de qualité. Mais ray tracing. Est-ce que c'est... Oula. Il est parti. C'est useless le ray tracing, non? Il paraît que ça sert un peu à rien. 23 Go de mémoire graphique. Bah ouais mon gars, 3090 Alienware. Let's go. Il est léger. Mais il n'y a pas le DLSS parce que c'est pas un jeu qui est développé purement Nvidia, je crois, c'est ça? Non, non, mais on enlève le ray tracing en vrai. Parce que je pense que ça va nous défoncer le mode HDR, par contre, je sais pas si je l'active ou pas. Mais je crois que vous, vous verrez pas de diff. C'est uniquement moi pour mon écran. Occlusion ambiante. Bah oui. Ciao, ciao. Reflets spéciaux. Vas-y, en vrai, là. Effet de grain. Ah non, merci, hein, c'est chiant, ça. Bon, on part là-dessus. Ça me paraît bien, niveau des graphismes. Oui, j'ai une 3090. Car Alienware sont les meilleurs partenaires. Mais malware, le ray tracing, vraiment, vous pensez? Je mets le ray tracing, à votre avis? Langue, tu choisis quoi? Ah, on fait français-français, hein, pour que tout le monde comprenne. Nice day for fishing, ain't it? Sure is, it sure is. Incroyable, hein. Allez voir la dernière vidéo de Vive la Dirt League, incroyable. Tu as vérifié le FOV? Non, vous inquiétez pas, le FOV, je me débrouille. Eh, le menu, par contre, c'est bordélique. Donc, oui, ray tracing, on va le mettre. On va le mettre. Putain, mais par contre... C'est un menu qui est très confusant, je tenais à le dire. C'est un menu extrêmement confusant. Voilà. Je ne suis pas... Mais attends, mais il est où le ray tracing? Attends, oh, vas-y, on peut pas... Ah, vas-y, le menu console. Le menu console. Ray tracing, oui. Ouais, élevé. On met tout à fond, mon gars. Boum. Qualité des modèles, par contre, la jauge, elle est... Je crois qu'elle est à fond. Mais en vrai, tranquille, j'ai large de la mémoire graphique, là, non? Je suis OK, là. Je suis large. T'as vu leur grand projet? Oui, incroyable, leur grand projet. Quel plaisir. Un vrai plaisir. Allez, go, hein. On part là-dessus, hein. Est-ce que je dois changer une option ou pas, là? Variable ray shading. Faire varier la qualité du rendu des éléments secondaires. Non, mais Osef. Voilà, j'ai besoin que ce soit vraiment quali, quoi. Occlusion ambiante? Et je l'ai mise. Non? Occlusion ambiante. Ah non, je l'ai pas mise. Voilà. Voilà, là on est. Là on met la config à genoux, là. J'ai viré le flou de mouvement. Non, mais en vrai, c'est bien sur Twitch le flou de mouvement, même si j'aime pas trop. Bon, allez, on part là-dessus, hein. Je reboot le jeu ou pas? Vous savez quoi, pour être sûr, on va reboot le jeu. Alors, la touche supre, pour évidemment quitter le jeu. La fameuse touche habituelle supre pour quitter le jeu. Ok, je relance. Avec une 3090, tu peux lancer deux RE Village en parallèle. Bien sûr. Bien sûr. Bon, bah, c'est parfait, alors. Ah, j'ai hâte de voir. Apparemment, le jeu est très joli, en plus. Donc, très curieux. Vraie question. T'as un Intel ou Ryzen dans ton... J'ai un Intel. J'ai un gros Intel. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dormakindosh pour le T1. Mogent pour les 3 mois. Gros sanglier pour les 10 mois. Ça n'arrête pas, en fait, les alertes. Les alertes sub ne s'arrêtent pas depuis tout à l'heure, en fait. Tellement vous avez sub d'un coup, bande de cracks. Merci beaucoup encore pour tous les subs, c'est très gentil. Bon, les amis, c'est la première fois que je joue à Resident Evil de ma vie. Et la seule fois où j'avais joué avant ça, c'était chez un pote. Voilà. La seule fois où j'avais joué, c'était chez un pote. Chez un ami. Attendez, je vais voir s'il a... Voilà. Là, c'est bon. Je suis cadré. Donnez-moi une petite seconde. Je vais juste baisser un peu la lumière sur moi. Faut se mettre en ambiance. Ok. Donnez-moi une seconde. Faut que je me mette bien en ambiance, là. Parce que là, c'est important, là. Là, on rigole pas, là, mesdames et messieurs. Là, on est sur quelque chose de sérieux. Hop. Je vais baisser la lumière derrière moi. Voilà, ambiance tamisée. Ambiance tamisée du plaisir, mesdames et messieurs. Be ready. Voilà. Un petit 13% là. Hop.
On est bon comme ça, là. L'ambiance est bien comme ça, c'est mieux. C'est plus doux. Allons-y. Let's go, les amis. Oh, je suis stressé. Mais ça va bien se passer. Merci, T12Neo, pour les 5 mois. N'oublie pas d'activer le surround virtuel dans l'audio. Ah ouais, vous pensez ? Caractarus pour le T1. Erim pour les 5 mois. Bel Esprit OC, merci pour les 6 mois. Merci les copains. Donc, il y a un résumé du set qu'on va regarder. Alors, quelqu'un me dit de mettre le son surround là. Mais non, je laisse casque. C'est très bien le casque, non ? Plage dynamique, réduite ou étendue, ça je sais pas trop. J'ai toujours peur que les sons soient trop forts des fois et pas assez forts. À d'autres moments. Ah, le virtuel. Bah, y'a plus de son. Voilà. Y'a plus de son. J'ai cassé le son du jeu. Non mais c'est pas grave, le virtuel au pire. A plus son. Non mais c'est pas grave, on est... Après les trucs de virtuel... Oula, mais attends, mais mon jeu il a freeze. Oula, PC il a pas kiffé là. Le PC il a fait... Tu fais quoi là? Ah je peux... Ah ouais, ah, là c'est un bon hard crash. Ah ouais, ouais. Bon hard crash. Bon bah je reboot, let's go. C'est pas grave. Tranquille, ça va bien se passer. Tu as survécu à Alix. Ouais voilà, j'ai survécu à Alix, je peux survivre à ce jeu. J'ai cassé le jeu, ouais. Non mais c'est pas grave, le son virtuel c'est surfait. Mais en vrai, pour le stream, je pense que ça sert à rien. Apparemment, on a des difficultés à voir des fois, faut peut-être booster la luminosité. Alors ça, faut savoir les potes que quand vous regardez un streamer sur un jeu, il y a de grandes chances qu'il ait de la lumière dans la tronche et qu'il ne voie rien dans les zones d'ombre. Donc selon les streamers, certains voient plus ou moins bien dans le noir. Là, j'ai baissé la lumière, donc moi ça devrait aller. Le jeu kiffe pas trop les changements de settings ainsi que la alt-tab. Ok. C'est pour ça que plein de streamers ont une casquette aussi. Oh, en vrai, trop chiant. La flemme. Casquette, la flemme. Tellement pas confortable, une casquette. Après, ils se plaignent d'être voir des calvicies, les mecs. Allez hop, ça, c'était gratuit. Donc, je relance le jeu. Allez, je relance le jeu. Hop. C'est parti. Ouais, soyez fiers de vos cheveux. Et ils vous le rendront. Allez, je relance le jeu. Ça dénonce ce soir. Putain. Ok. Et mon bandeau ? Là, c'est mon casque, le bandeau. Allez, c'est bon. Ça relance, ça part. Ça part. Seras-tu aussi assidu sur Overwatch 2 que sur le 1? Ça dépend si ça me plaît. Ça dépend du jeu. C'est pas à moi de répondre à cette question, c'est au jeu. Alors. Donc c'est bon là, le niveau des options. Ouais, c'est bon. Par contre, plage dynamique, réduite ou large, je sais pas. Est-ce que quelqu'un... Salut Simon! Je viens de faire une pause dans le live de RE parce que le jeu est un enfer dès que tu bouges en settings. Ah ouais? C'est quoi la diff entre plage dynamique réduite ou étendue? Non mais on va regarder le résumé du set ensemble, bien sûr. Il y a plus de sable, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il met la 3070 en Y, genre si tu touches un truc sans reboot ou alt tab. Ouais. C'est la nuance dont... C'est la di... Ah, différence entre son fort et faible. Ok, on va laisser en réduite. Ce sera plus agréable pour le stream. Bon, écoutez, mesdames et messieurs, nous allons donc bonus, vidéo, voir des concepts, rapport sur la famille Baker. Ce dossier contient mes notes d'enquête sur les événements qui ont suivi l'incident de la résidence Baker. Donc dans Resident... Non, ok, non, on va pas dire tout ça. Il y a une vidéo qui est très bien. En gros, dans Resident Evil 7, on tombe sur une famille qui est complètement cinglée.
Voilà, souvenir de Resident Evil 7. Mesdames et messieurs, on va regarder ça ensemble tout de suite. Ok. Par où commencer ? Mon nom, c'est Ethan. Ethan Winters. Cette histoire chez les Baker, ça s'est passé il y a 3 ans. J'étais à la recherche de ma femme disparue. Elle m'avait envoyé un email. Pourquoi il y a un écran noir ? Elle me demandait d'aller la chercher. Wesh ! C'est comme ça que j'ai atterri au milieu de nulle part, en Louisiane. Ah, je sais pourquoi il y a un écran noir. C'est pas grave. J'ai retrouvé Mia alors qu'elle était retenue prisonnière dans un sous-sol. Ah, c'est moi ça. Mais elle était plus la même. Elle m'a attaqué comme une bête féroce. Plus tard, j'ai découvert qu'elle avait été infectée par une sorte de moisissure. Il s'est fait couper la main d'ailleurs, j'ai mais il l'a recollé. J'ai fouillé la maison à la recherche d'un antidote, d'un vaccin ou autre. Les gens qui vivaient là étaient eux aussi infectés. Ce qui restait d'eux n'avait plus rien d'humain. La source de l'infection était une arme biologique ayant la forme d'une petite fille. Toujours creepy. Elle s'appelait Evelyn. Toujours creepy, les petites filles. D'ailleurs, c'est pas la mamie. J'ai affronté cette famille de cinglés et j'ai réussi à soigner Mia avec un sérum. Si, c'est la mamie, ouais. Et puis Chris Redfield et son équipe ont débarqué et nous ont sauvés tous les deux. Alors que tout était fini, ils ont été hyper utiles. Est-ce que ça ira ? J'ai vraiment plus envie de parler de ce qui s'est passé. Il est fatigué. Donc c'est terminé maintenant. Voilà l'histoire, du coup, de Resident Evil 7. Insane. Ouais, la scène qui marchait pas, c'est parce que c'était ma scène de fin de RPZ. Et je sais pourquoi ça ne marchait pas. Voilà. Hop. Voilà, là, ça sera bien. Ça sera mieux. Hop. Hop. Non. Hop. Hop. Et là maintenant, clean. Voilà, je disparais. Ah, je suis mort. Et je réapparais. Bonjour à tous. Donc ouais. Non, j'ai jamais essayé de Resident Evil. C'est mon premier. C'est mon premier, mais faut un début à tout. Écoutez, une nouvelle expérience. Les amis, on est prêts ? On est prêts ? Est-ce que vous l'êtes ? Ça, c'est la question. Ah, avant ça, avant toute chose, je vais faire un truc. Ah, merde. Voilà, je vais faire un truc très rapidement, je vais lancer le truc pour le FOV. Voilà. Très bien. Hop. Ok. Est-ce que j'ai planté le jeu ? Ah ouais, le jeu il a pas l'air d'aimer... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu là ? Qu'est-ce que c'est que ce jeu qui déteste les alt-tabs ? Je fais un alt-tab, le jeu il est en mode... Ah ! Hein ? J'ai un écran noir. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il va revenir ? Going into standby mode, mon écran s'éteint. Quoi ? Eh, mon PC, il a crash ! Eh, c'est quoi ce jeu au pied avec les fesses encore, là ? What the fuck ? Je relance mon PC. Je suis désolé, hein. C'est un début un peu compliqué. Hein. Qu'est-ce que c'est beau que son ? Faut se mettre en borderless, je pense. Hein. Welcome to hell. Ah putain, mais quel enfer ! En fait, le problème, c'est que je suis obligé de faire un alt-tab pour le FOV, sinon c'est la merde. Fais ton grain. Perso, chez moi, il tourne beaucoup mieux en borderless. Ah ouais ? Bon, on va se mettre en borderless, hein, ça. Alors, ce sera bien mieux. Ah bah là, c'est pas le problème d'Alienware, hein, c'est le problème du jeu. Hein. Et je vous rappelle que j'ai eu un nombre de crash minimum sur Cyberpunk. Hein. Donc, à partir de là... C'est plus le problème du jeu que du PC. Hein. Ok. J'ai relancé le PC. On va relancer le jeu tranquille. On peut faire tourner 2 RE8 apparemment. Ouais, ouais, ouais. Ok. Allez, normalement c'est bon. Je vais pouvoir relancer le jeu. Et normalement... tout devrait bien se passer. On va se mettre en borderless. Voilà.
Faut déjà réussir à en faire tourner un. Non mais hier, ça a marché. Hein. J'ai eu aucun problème hier. Pour ça que je trouve ça étrange. Alors, est-ce qu'on peut skip? Skip! Skip! Accept! Skip! Ok. Alors. C'est bon. Option, affichage, borderless. Voilà, fenêtre sans bordure, merci à tous. Très bien. Ok? Yes? Yes. Ok. Let's go, mesdames et messieurs. Let's do this. Merci, Shuji, pour les beats. Vekvizir, merci pour les 6 mois. Merci, Sogeking. Merci, Laser, pour les 13 mois. Lulushex, Toja, Tidus Neo, merci beaucoup. Merci, les copains, pour tous les subs et resubs. Merci pour l'amour. Nous sommes partis. Nouvelle partie. Nous allons jouer en... On va jouer en hardcore. Vous allez souffrir. C'est parti. Il y a bien longtemps, une petite fille s'en alla avec sa mère cueillir des baies pour son père qui travaillait d'arrache-pied. Mais la forêt les accueillit avec un silence froid et pesant. Les buissons étaient vides. Déterminée à trouver des baies, la petite canaille lâcha la main de sa mère et disparut entre les arbres. Les cris inquiets de sa mère s'estompèrent rapidement à mesure que la fillette courait, s'enfonçant de plus en plus dans la forêt. Commençant à se sentir observée, elle se rappela les histoires effrayantes que lui contait sa mère et sa gorge devint toute sèche. Le seigneur des chauves-souris apparut. Il la salua chaleureusement et se mordit l'aile. « Viens, mon enfant, étanche ta soif, » dit-il. Elle but son sang noir et épais et sourit de bonheur. Tandis qu'elle traversait un cimetière, des nuages menaçants recouvrirent le ciel et l'air se glaça soudain. Maigrement vêtue, l'enfant frissonnait, mais un tisserand sombre apparut et d'un claquement de doigts, il transforma la brume en une robe magnifique. « Viens, mon enfant, réchauffe-toi, » dit-il. Elle enfila le vêtement et sourit de bonheur. Elle navigua sur des eaux profondes et sinistres, à bord d'un bateau qui, espérait-elle, la ramènerait chez elle. Mais la faim resserra son emprise et son cœur s'alourdit. C'est alors que le roi des poissons apparut et lui offrit l'une de ses nageoires. « Viens, mon enfant, remplis ton estomac !» La fillette mangea et sourit encore une fois de bonheur. Continuant sa route, elle atteignit bientôt le cœur sombre de la forêt. Là, un destrier de fer apparut, paré d'un magnifique rouage en or. La créature ne dit rien quand la fillette s'approcha, pour saisir ce qu'elle pensait être un autre cadeau. Le cheval se mit en colère et appela les autres monstres. Le cœur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures. Soudain, vint une sorcière, ténébreuse mais majestueuse. Trop stylé, l'animation. « Plus on t'en donne, plus tu en veux, » grogna-t-elle. « Maintenant, nous réclamons notre dû. » En un instant, la fillette fut emprisonnée dans un miroir. Ça y est. Elle dort. T'as pas des histoires moins flippantes? Bah ouais. Elle a que 6 mois. J'avoue. Selon la vendeuse, c'est traditionnel. Un conte local. Et puis, ça n'a pas l'air de gêner Rose. C'est surtout qu'elle comprend pas. Et heureusement, on s'est installé ici pour qu'elle grandisse sans tout ça. T'as oublié? Ma mémoire fonctionne très bien. Oula. Écoute, t'es trop parano. C'est juste... Non, laisse tomber. Désolé. Mais je suis pas parano. Je suis prudent. Dans ce cas, va prudemment mettre ta fille au lit. Elle fait peur. Je vais préparer le dîner. La mère me fait très peur. Donc elle va mieux a priori. Tout va bien. Ta mère. Ta mère préfère oublier tout ça, mon cœur. Je peux pas lui en vouloir.
Tu as dit quelque chose ? Rien, je vais la coucher. Alors attendez, je vais revenir. Est-ce que mon FOV est changé là ? Je me demande juste si j'ai besoin de relancer. Je crois que mon FOV est changé là. Par défaut, le FOV il est plus petit, non ? Go la mettre dans le frigo. Non mais putain ! Ouais ouais, mon FOV est changé. Ouais ouais, mon FOV il est... T'approches pas trop de moi quand je cuisine, chérie. Ça a l'air bon, mais tu fais peur. Alors le goody goody. Le cœur. Ok, alors attendez. Faut que j'aille coucher la petite. Je sens que je vais avoir peur déjà là. Alors. Bon bah du coup, apparemment tout va bien. Bon, elle fait... Attends, c'est quoi ? Notre femme fait un peu peur, mais sinon, apparemment, elle se... N'aie pas peur. Je l'ai dit à maman. T'es un peu petite pour ce livre. Ouais, j'ai déjà peur de ma femme, donc c'est mal parti. Mais ouais, mais notre femme dans la recette, elle fait trop peur. C'est normal, ça, ou... Ouais, je crois que c'est normal. Non mais tranquille, j'ai pas besoin d'aller aux toilettes. ça y est, j'ai peur. On y est presque, ma puce. Putain, c'est insane, les portes magnétiques. Ah, c'est là. Allez hop, au lit. Et voilà, mon ange. Ne t'inquiète pas, je suis juste en bas. Ça va la main du mec, sinon ? Aucun vilain monstre t'attraper. Parce que moi, je me souviens, il se fait couper la main et après, il la recolle. Bon, elle fait son petit dodo. La petite. Oh, c'est un D6, c'est énorme. Alors, du coup. Ouais, bon, on va voir. Il a été exposé au virus aussi dans le set, donc il a un peu de regen power. Ah, c'est pour ça. Elle va faire des ravages plus tard. J'espère pas. C'est quoi, c'est du foreshadowing ça ou quoi? Je reconnais ça, c'est du foreshadowing. Putain, mais les giga bouteilles de vin quoi. C'est des magnums de vin qu'ils ont. Mais pourquoi 3 bouteilles de vin? On est vraiment aux States, hein, vraiment. Ça a été? Elle dort. Comme un bébé. Mais ça sent bon, ça, c'est quoi ? Eh, bats les pattes ! C'est une chorba de légumes. Une recette locale. Mais elle est... Wow, tu t'adaptes vite, toi. Elle est pas gentille, hein ? Même le vin est du coin. Mais si c'est pour faire la tête toute la soirée, il vaut peut-être mieux que tu touches pas. Il faut vraiment que t'arrêtes de t'en faire. Je sais, ma chérie, mais... Te retrouver en Louisiane, la grossesse, Chris qui nous amène ici, l'entraînement militaire... Tout s'est enchaîné si vite. Mais au moins, on est ensemble. Toi, moi, Rose. Maintenant, je suis sûre que tu vas... Sérieusement ? Tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en Louisiane ? Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Franchement, je comprends pas pourquoi t'es si... Mia, baisse-toi ! Mia ! Mon vin. Mia. Oh non. Chris, qu'est-ce que tu fous? Mais pourquoi? Désolé, Ethan. Oh putain, c'est... Non. Je dois y aller. Putain. Pourquoi? J'ai reconnu, c'est... Je dois y aller. C'est la même voix. On peut pas jouer Chris, plutôt? Il a l'air stylé. Avance! Ok, mais pourquoi ils sont méchants? Mais ils m'ont sauvé à la base, pourquoi ils ont tué... Rose?
Qu'est-ce que vous foutez avec ma fille ? Nous l'avons, monsieur. Emmenez-le. Je vous interdis de la toucher ! Ethan, non. Sortez-le d'ici. Mais attends, mais je comprends R là. Il nous a sauvés à la fin des recettes, et là il arrive, il bute notre femme et il nous met mal. Pourquoi ? Oui, docteur. Bonjour, monsieur Winters. J'ai les résultats de votre fille et j'aimerais vous voir pour que l'on en discute, disons, jeudi prochain à 4 heures. Parfait. On y sera. Après, en vrai, je préfère la fusillade plutôt que le dîner avec l'ambiance de merde qu'il y avait. Allez, fais pas cette tête. On en a déjà parlé. Je sais. On ne parle quasiment plus que de ça. Et pour la énième fois, ce n'est pas Rose qui m'inquiète. Mais alors c'est quoi qui t'inquiète ? Dis-moi ! Elle dira bien, j'en suis sûr. C'est ce qui compte, non ? Et nous, dans tout ça ? Je tiens à toi ! Tu vois pas que... Mais de quoi est-ce que tu me parles ? Y a quelque chose que tu m'as pas dit ? Vas-y, parle-moi ! Merde ! Faut que je réponde. Work. Hello, Bernard. Putain. Où est Chris Redfield ? Et Rose ? Merde ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ok, donc je me suis fait embarquer. Ils se sont fait jeter dans le talus ou une merde comme ça. Il y a plein de papiers là-dedans. Le jeu est beau. Objectif, abattre la cible et récupérer le corps. Sécuriser Rosemary Winters et Ethan Winters. Transporter les Winters jusqu'au site C pour des examens approfondis. Au moins 2 soldats devront les accompagner. Voilà, mais attends, il y en a qu'un là. Oui, je sais que la lumière en bas, c'est à cause du FOV. Ouais. Ok. Il est parti par là, lui. J'oublie un truc ? Il y a eu un bruit, là. Comment ça, j'oublie un truc ? J'ai oublié, là. Il y a pas moyen d'ouvrir la truc. Il a pas une arme sur lui, lui, j'avoue. On a eu les objectifs. Non, il y a pas une arme. On peut pas ramasser le téléphone. Non, non. Bon, allons-y. Il fait froid. Il fait froid. Bon, on me dit qu'apparemment... La difficulté hardcore, c'est beaucoup trop. C'est ce que les gens disaient quand j'ai lancé tout à l'heure. Moi, j'ai cru que c'était genre medium plus, quoi. Vu qu'il y avait 4 niveaux de difficulté. Donc, hardcore, vous pensez que c'est vraiment une erreur ? On peut le changer ou pas ?
Peut-être un peu. On peut pas, ouais. Les ennemis sont des sacs à PV ? Ok, je change. C'est is ok, on va skip tout, vous inquiétez pas. Recommencer ? Non ? Quitter ? Ouais, je suis désolé, en vrai, je pensais que ça allait être ok, mais hardcore. Si les ennemis sont des sacs à PV, j'ai jamais joué un standard. Ouais, je skip tout, vous inquiétez pas, on va speedrun. On est de retour dans une minute. Passer. Plus on t'en donne, plus tu en veux. Oh non, non, tais-toi, t'es creepy, toi. Hop, on va skip tout. Je vais mettre le tu bébé en haut. Non, j'ai rien dit. Je vais la coucher. Tranquille. Non, mais j'avoue, j'ai cliqué sur hardcore parce que j'ai vu qu'il y avait un mode après. Je me suis dit, bon, bah, le mode. Ah, la gueule. Le mode hardcore, ça doit être vraiment. Enfin, le mode village des ombres, ça doit être vraiment l'enfer. J'ai dit à maman. Et hardcore, ça doit être ok. T'es un peu petite pour ce livre. Parenting speedrun, exactement. Quel enfer. Ah, c'est pas par là, putain. Ouais. En speedrun avec le gamin. On y est presque, ma puce. Apparemment, il y a une erreur de script possible en hardcore, sérieux ? Ah, l'enfer. Ah ouais, non, l'enfer. Non, mais ouais, je préfère qu'on fasse en standard, alors. Je préfère. Et c'est bon. Passer. Skip. Ok, bébé au lit, c'est speedrunné. C'est par ici pour me faire engueuler par ma femme ? J'y vais. Est-ce que c'est par ici pour me faire engueuler par ma femme qui me fait peur ? C'est par ici. Yes. Salut, chérie. Je suis là, je suis prêt à prendre mon engueulade. Skip ! Le jeu te laisse changer si tu meurs. Non mais tranquille. Skip. Allez, on est reparti. My little angel. Ah bah ouais, bah voilà. Vous avez vu, en même pas moins d'une minute, on est revenu au même endroit. Skip. Voilà, incroyable. Ok, on est de retour. Ah, j'avais pas vu ce truc tout à l'heure. Hors d'usage le téléphone. Abattre la cible, donc voilà, on a eu ça. Très bien, c'est reparti mesdames et messieurs. C'est par là. Le jeu est beau en tout cas. Visuellement, c'est très cool. Pourquoi je skip tout ? Parce qu'on vient de le faire. J'ai juste changé la difficulté parce qu'apparemment, hardcore c'est trop dur. Il y a un truc qui a fait un bruit là. Ah, on voit vraiment R. Hein. Fais mec, quand même, fais un effort. Oh vas-y, par contre moi... Et moi, je suis... Moi, les jeux d'horreur, j'y joue pas, hein. Ah là, par contre, c'est à grognir. Je peux pas éteindre ma lampe. Non, mais là... Non mais là, les bruits là. Moi j'éteins ma lampe directe, hein. Secours, hein. Mais c'est des pièges, c'est quoi ? Vas-y là, vas-y, j'avance. Au secours ! Ça commence tout de suite là ? Y'a pas une petite mise en bouche ? Y'a eu un mec là ? Voilà ! Y'a un pont ! Putain, mais au secours !
Donnez-moi une arme. Donnez-moi une arme. Une cabane. Pas sûr que ce soit une bonne idée là. Ouais. Pas une arme, quelque chose. Mais c'est de la merde. Eh ben c'est super. Vas-y, non mais là par contre, au secours hein. Nice, le lavabo à boue. On appelle ça un lavabou, lol. Bonjour monsieur. Eh vas-y, eh, non mais là par contre c'est terrible. Ces pilules, celui-là. Il y a personne là, on est d'accord. Vas-y, eh, vas-y là. Eh, vas-y là, vas-y, nique. Au secours. Moi, je suis pas équipé pour ça, moi là. Ah, et puis quand ils te font ouvrir des trucs et qu'il y a des machins derrière. Sandra Smith! Sandra Smith. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais là? C'est vraiment la pire idée, il y a du sang. Bah c'est pourri ça. Je vais me faire surprendre, c'est sûr. Oh, c'est de l'ail. Quoi, c'est contre les vampires? Hein? Hein? Ah. C'est... Smells like heresy! Ouais. Du coup, insane là, ce truc. Trop bien. Super. Vas-y là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là? J'ai rien fait. Ouais, ouais. Putain, les bruits. Y'a un macabre dedans, c'est sûr. Sauf qu'il y aura personne, vous allez voir. C'est juste un rat. C'était sûr. C'était sûr en fait. Et là derrière moi, y'a un mec. Non. Vas-y, ça m'énerve! Ça m'énerve déjà, pourquoi je joue à ce jeu? Moi, je pensais pas que ce serait direct aussi comme ça. Mais tout se casse la gueule là, au secours! À l'aide! Bon bah je me tire, c'était super intéressant cette escapade! Mais il y a un petit coq. Mais ma foi, mais c'est un potiri. C'est un sacré poti blagueur celui-là! Oh, ça me rappelle 1917, le film là. Où le mec il vient de se blesser sur un barbelé et après il met la main dans un cadavre. Là t'es en mode. Oh, pas mal. T'as eu le record de maladies chopées en un seul move, mec. Ah bah putain, c'est fini la nuit, nice. Mais par contre, y a un truc qui a défoncé le mur, je sais pas ce que c'est, ça fait peur. Moi à ce moment là du film, j'étais en mode. J'étais en mode. C'est dégueulasse. Et pourtant il a rien. Bah après bon, on sait pas ce qui se passe après le film hein. Mais bon, à mon avis ça va pas fort. Parce que tu te blesses à la main, tu mets la main dans un cadavre vieux de plusieurs semaines, je pense. Je pense ouais, tu fais le record de trucs chopés en un move. Tu dis au revoir à ta main aussi. Mais où est-ce que je suis? Bah oui, connard. Oh. Dark Souls. Il y a une vraie vibe Dark Souls dans le sens où
Ils te font commencer par un petit trou de souris. Et après, d'un coup, ils arrivent et ils te font... Alors voilà. Là, c'est là où tu vas galérer pendant quelques dizaines d'heures, mon pote. Alors, je sais pas si ça va être quelques dizaines d'heures. Ce sera certainement plus court. Mais en gros, c'est là où tu vas galérer, mec. Ça fait très... Ah, irrite-t-il ? Ça m'a fait un peu le même wow que quand tu sors... quand tu bats Woldnir, là. Et qu'après, tu vois... tu vois le paysage de ouf, là, dans Dark Souls 3. Comment ça s'appelle ? Irithyll, c'est ça ? Castlevania, ça fait très Castlevania aussi, j'aime beaucoup. Ouais, c'est Irithyll, c'est ça. Trop beau, Irithyll. Bon, bah, on we go ? Onwards, I mean, onwards, buttercup. There is fuckery to be spread. Le jeu est beau, hein, putain, le jeu est très très joli, en tout cas. Hein. Ça fait plaisir. Mon gars, l'Aurora, il bronche pas. J'ai cru qu'il allait s'ouvrir la jambe encore. Oh non, un cheval mort. Oh non, faut pas tuer les chevaux. Pauvre bête. Les chevaux, c'est comme les chiens. Faut pas tuer les chevaux et les chiens. Oh putain, les... Quelqu'un a voulu faire une omelette là. Ah. Peut-être qu'ils sont sortis. Cette serrure pourrait être crochetée. Ok. Décidément, il défend. Oh yes. Oh, des patates avec des germes. Putain, le squat quoi. Ah, mais il y avait ça là où on était. J'ai vu un truc là. Une arme ? Donnez-moi une arme. Quelque chose. Je me sens nu. Must have been the wind. Ah, le jeu est vraiment beau par contre, hein. C'est une dingue. Oh, quelque chose me dit que l'eau du puits est pas terrible. Il faut un objet. Ouais, mais pourquoi j'aurais besoin de monter le puits là ? Oh, le décor est trop cool. Hein. Une cage. Ah, l'ambiance sonore et tout. C'est trop bien. Ah, je peux pas sauter. Ah, c'est un de ces jeux où le personnage peut pas sauter. Ok. Yes. Trop utile, ça. Faut ouvrir ça. Bon bah on va devoir passer par la route. Il y a des restes là. Do not enter. D'accord, donc là il... Ok, je peux pas rentrer par là. Putain, c'est quoi ce... Mais on est en Transylvanie en fait là. Ça fait très... Ça fait très château de Dracula avec le village au pied. Je pense que c'est l'inspiration. C'est un jeu puzzle. Ouais, shooter, puzzle, jeu de course. C'est-à-dire que je fais la course contre la mort. Okay. J'ai vu un truc bouger là. Qu'est-ce que ça fait ici ? Mais j'en sais rien, mec. Trop utile. Il y a un truc qui... Attends, il n'y avait pas un marteau là? J'ai cru voir un marteau par terre. Non, c'est juste une poutre pétée. C'est dans les Vosges. Putain, ça a changé les Vosges.
Ça, c'est depuis que Jack Lang s'en occupe plus. Ça a changé, hein. Vraiment. Il nous manque, ce bon vieux Jack. Bon, on ouvre. C'est fermé. Comment ça, les chiottes sont fermées? T'as fini de... Bon. Il y a rien, hein. Je trouve R, hein. J'avance, mais je trouve R, les amis. Là, quand même, il n'y a pas un truc que j'ai raté, là, là-dedans, là. Ah non, non. Ah non, non, mec. Hein. Bon. Par là, hein. La 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 la. Ah ouais, c'est grand. Il y a une radio là-bas. Je vais peut-être parler à un villageois. Donc je suis déjà passé par là. Je viens d'ici en gros. Est-ce que là il y aurait éventuellement un loot? Non. Non, il y a rien du tout. Ok, poursuivons par là-bas. L'ambiance sonore du jeu, en tout cas, est vraiment cool. Hein. Visuel, sonore, tout. Impressionnant. Oh, c'est un petit gris. Mon père, il en avait un comme ça. C'est ça, faut pas être pressé d'arriver à destination, hein, mais ça avance. Hein. Des têtes de bouc. Oh, ça, c'est un... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est des trucs d'hommes bêtes, ça, je reconnais, ça. Bon, ça, je suis pire que Ava en sens de l'orientation. Tu sais que c'est connerie, Vinchok, là. De quoi tu parles? Vous êtes en présence d'un pro-gamer. Yo, Dr. Jones. Bonjour! Bah, il y a des poules vivantes! Oh, il y a des poules vivantes! C'est verrouillé. Non mais c'est Dark Souls en fait. On est juste sur Dark Souls en fait. Tout est verrouillé. Ça fait peur. Il y a un gros château où faut aller. C'est Dark Souls en fait. Il est où le feu de camp? Tiens, ça s'est ouvert devant moi ça. Il doit y avoir un moyen de casser ça. Donnez-moi une arme. Un couteau. Ah ouais. Ça y est, je suis armé. Blam. Remède premier soin. Ah bah voilà. Oui. Couteau. Bah oui, connard. Raccourci. Ouais, ah non mais c'est très bien. Attendez, mais du coup, remède qui guérit toutes les blessures. Comment je sais combien d'HP j'ai? C'est ça ma barre de vie en haut? Mais je suis full HP là, tout va bien. Ah, je peux casser le cadenas, j'avoue peut-être. Merde! Ah bah super! Merde! Super! Oh, une bonne souplette. Quelqu'un vit forcément ici. On peut boire? Ouah! Oh, laisse-moi me concentrer sur cette soupe pendant au moins 3 secondes là. Ça a l'air d'être une soupe. Mais oui, quelqu'un doit habiter ici là. Ils aiment bien les crânes, hein. Ils aiment bien buter des chefs dans le coin, je crois. Bonjour. Bonjour. Ah! Non, 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 non! Du calme! Du calme! Qui êtes-vous? Qui vous envoie? Personne! Il y a eu un accident sur la route. Chut! Allez, bah bien joué, mec. Oh non. Ils arrivent. Qui ça? C'était quoi ce bruit? Vous avez un flingue? Quoi? Dites-moi que vous avez un flingue. Pourquoi? Non mais au pire, meurs et donne-nous ton flingue. C'est tout de même.
Prenez-le! Prenez-le! Oh, mon frère. Vous allez me répondre! Putain! C'est bon, on a compris? C'est bon, on peut bouger? Un cadavre. Oh non, il y en a d'autres. Ok. Bah yes. Bonne ambiance. Ah, ils ont tous les cheveux gris ici. Oui, bah on a compris, il y a des morts. Mais putain, c'est quoi cet endroit? Ça s'appelle un charnier, Sherlock. Eh, c'est le jumeau du mec à droite. Attends, mais il y a un truc qui bouge là-bas. Vache! Ah! C'était quoi, bordel? Au secours! Au secours! Dégage! C'est bon? Putain, il s'en bat les couilles! Ça suffit! Mais putain, il va mourir! La vache, combien de balles faut pour les tuer? Ah oui, en effet, heureusement qu'on n'est pas en hardcore. Eh, il lui faut... Putain, il lui faut du plomb dans le crâne, celui-là, pour comprendre, hein. Quel enfer. Je lui ai tiré 9 balles. 10 balles. Oh, en hardcore, en fait, tu mets tout le chargeur. Ah oui, non, mais merci de m'avoir prévenu, hein. Ça aurait été un cauchemar. Putain. D'accord. Ah bah, heureusement que le papy nous a filé... Eh, on peut avoir le fusil du papy, en vrai. Ça m'arrangerait. Fluide chimique. C'est... Un fluide chimique. Ah, c'est pour faire un remède de premier soin. Bah, je peux en faire un, là. Non? Donne. Il me faut une plante que je n'ai pas. Compris. Ah! Et là, maintenant, je peux. Boum. Je suis un artisan. Bûcheron. Boum. Ah ouais. Putain, les ennemis ont l'air... Les ennemis ont l'air infernaux, hein. Je pensais vraiment que ça allait être du zombie de merde. Mais là, bon, après, il se tenait tranquille pour que je le vise. Il était sympa, mais putain... Mais notre perso, là, il vient pas genre de perdre la moitié de son doigt? Attendez, comment je comprends pas ma barre de vie? Elle est où, ma barre de vie? Qu'est-ce qui indique que je suis dans la merde niveau PV ou pas? Vous savez? Ça veut me dire, ça? Qu'est-ce que vous savez me dire? La couleur? Oh, je rêve. Oh, il y a la touche prévue pour la console. Se retourner. Car la manette, c'est un enfer. On a une touche pour se retourner. Yes. Donc, oui. Couleur BPM. Bon, mais là, je suis calme, là. Là, j'ai un BPM de 40, là. Là, je suis... Là, il n'y a aucun stress. Coupe-boulon. Thank you, kind sir. Je savais pas que c'était si dramatique, un coupe-boulon. Qui permet de couper les chaînes. Ah, c'est pour le portail. Merci pour le sub, Dark Mysterio. Pour les 9 mois en tier 2. Merci à toi. Et moi, je veux le fusil du papy. Il est où, papy? Papy? Papy, donne-moi ton fusil. Ça rime, en plus. Je peux pas avoir son fusil? Non? Il doit être à l'étage.
Bon, je pense qu'on peut passer ici. Voilà. Coupe boulon. Bim. Me dites pas que ça me détruit l'item par contre. Ça va. J'aurais pété un câble sinon. Pardon. Donc. Ok. Il y a un. La niche du chien. Bonjour. Bah yes, ça s'éteint alors que j'arrive. Super ambiance. Ah, des munitions. Putain, vous pourriez faire ça aux chiottes au moins. Vous pouvez utiliser les étagères pour barricader les portes. Ah. Ok. Il y a une bête là. Bah yes. Y'a pas une bête là? Oh! Casse-toi! Vas-y ça va mais... Oh! Non y'a personne? Wallala, il va y avoir des bêtes partout, je le sens. Wallala, je sens que ça va être la merde. Vas-y, je me casse. Je me casse par où? Ah, je suis mort. Je suis mort là. L'enfer. Par où je pars? Je sais pas moi. Il est toujours en bas l'autre con là. Vas-y, tu vas mourir, oui. Putain, quel enfer! Crâne cristallisé. Oh, c'est cool. C'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Au secours. Comment je sors? Je veux sortir. Il y en a trop. Attends. Ah, mais j'ai rechargé, ça y est. Ça y est. Ah bon? C'est fini. C'est fini? Mais il y a lui, là, il me regardait. Ah oui, il est parti. Bonjour. D'accord. S'il y a le moindre survivant, venez chez moi. Venez chez Louisa, la maison près des champs. Des survivants? Ah, c'est vrai qu'il y a le couteau que j'aurais pu utiliser pour quick. C'est vrai ça. Niveau des HP, bah, je suis tranquille là, niveau HP là. Pas de stress. Ok, des survivants. La maison de Louisa. Prends le shotgun? Mais il n'y avait pas de shotgun? De quoi vous me parlez là? Non mais non, il n'y a pas de shotgun là. Arrêtez de backseat alors que vous n'êtes pas au courant en fait. Les gens ils backseat et ils sont pas au courant. Il n'y a pas de shotgun là. Pas de shotgun hein. Pas de shotgun. Ouais c'est ça, cachez-vous ouais. Cachez-vous. Ah bah... Tiens dans ta gueule toi. Mauvais bail. Ok, j'ai compris le jeu. Je comprends comment ça marche. J'ai compris. D'accord, j'ai compris. Ok. Se protéger, d'accord. Ok, j'ai compris comment le jeu marche. Quand on est dehors, on ne tire pas. Oh putain de merde. Il a une massue lui. Oh là 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 là. J'ai plus de mun. Ah non, arrête. Ah mais arrête de me croquer. Je suis pas une pomme. Même heure. Ah bah je suis mort là. Aya. Contrôle se soigner. Je peux pas le tuer là. Il y en a plus en plus.
Aïe, aïe, aïe. Il y en a beaucoup, là. Ok, ok. Non, mais j'ai compris qu'il fallait pas tirer dehors. J'ai compris que vous vouliez être peinard dans votre patelin de merde. Je me casse. Oh, de la ferraille. Je me casse. Ah, laissez-moi. Laissez-moi. Y'a quoi là-dedans? À moi. Je sais pas ce que j'ai pris, mais je l'ai pris. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ok, je rentre. C'est bon, y'a personne ici? C'est bon? Oh putain, le shotgun! Oh, ça va chier, mon gars. Oh, ça va chier. Ok. Bon, au niveau des HP, je suis tranquille là. Bah, j'ai que deux munes, hein. Deux munes, c'est pas terrible. Hein. Excusez-moi, monsieur. Monsieur. Bon, ça va pas marcher, je crois. Oh, de la poudre noire. Incroyable. Munition pour pistolet. Ouais, ouais, ouais. Bonjour. Au revoir. On recharge. Allez, dégage. Oh putain, ils sont combien? Ah, plus de mules. Ah, au secours. Ah non, arrête, arrête, arrête. C'est quoi qui fait du bruit comme ça? Vas-y, je me casse. Vas-y, je me casse, vous puez. Vous puez tous. C'est quoi ce bruit? Oh là, oh là, oh là. Fabriquer des munitions. Comment on fait? C'est le stress là, le jeu là. Des munitions pour pistolet? Moi je veux faire des munitions pour shotgun. Hein. Ok. Il y a une grosse bête dehors. À l'aide. Oh non mais là, au secours! Non mais laissez-moi! Je me casse! Oh ah, casse-toi! Vite! Non mais attends, mais comment je fais là? Aide! Y'a trop là! C'est plein de farine! Super! Oh putain, vas-y, l'autre qui est en train de grimper! Utilisez! Attends, attends, je me mets de la boisson! C'est bon. C'est le... Ah! Putain, mais casse-toi! Oui, il s'est effondré. Bon, c'est bon là? J'ai fini les ennemis là un moment? Mais attends, mais c'est quoi là qui tape sur la maison? C'est... Au secours! Qu'est-ce qui tape sur la maison comme ça? Mais attends, mais qu'elle en fait? Eh, en hardcore, impossible. Impossible en hardcore. Vas-y, on va tenter de courir. Allez, run for your life! Mais comment ça, il monte à cheval? Mais c'est perdu là. Oh là, c'est perdu là. Oh là, c'est loose hein. Ah là, là, on a toute la team qui a live là. Hein. Il a changé la grille, hein. Non, ça... Hey, ils étaient plus loquaces, les maraudeurs du chaos, hein. Là, ils sont un peu gutturaux, hein. Mec, ils font du cheval, ils tirent à l'arc...
Combien j'ai de doigts? Monsieur, combien j'ai de doigts? Je sais pas trop, là. Bon, ok, j'ai compris, ne pas tirer dehors. Putain, voilà autre chose, il y a une moire. Bah oui, connard. Vache. Bienvenue en enfer. Ouais, bah j'ai bien vu. Ah la vache, putain, c'était très cool de... C'est très cool de te mettre direct dans une position où t'as pas l'habitude dans un jeu d'horreur en mode, bah mec, t'as fait le con, maintenant t'as une horde qui te fonce sur la gueule, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est très cool ça. Par contre, j'ai gaspillé tout. J'ai utilisé toutes mes compos. Genre vraiment, c'était le pire bail. Hein. Je vais juste voir si je peux... Ah, ça, je vais le looter, ça. Boom. Ah ouais, cartouche de fusil, là, let's go. Enfin, des petits coups de somebody, là. Bon, pour le moment, ça me plaît, les potes. Pour le moment, ça me plaît. Et c'est sympa. C'est flippant, c'est stressant. Mais en même temps, je m'y attendais. C'est scripted. Non, mais je me doute que c'est scripted. Je me doute bien. Alors ça, c'est un baril explosif. On va peut-être pas tirer, du coup. Interagir. C'est plein de poudre noire. Ah bon. Un baril rouge, c'est plein de poudre noire dans un jeu, sans déconner. Ok. Bon, je pense que ton meilleur ami dans le jeu, c'est courir, non? J'imagine. Ok, super. Donc là, en gros, on peut aller ici. Trop bien. Un petit mirador. On descend. On peut pas récupérer la poudre noire dans le baril. Bah, j'ai pas envie de tester de l'exploser. Ah, donc ça. Ok, donc ça, ouais. Donc quand il y a du scotch jaune, ça veut dire qu'on peut... On peut barricader une porte avec. Ok, ok. Eh, le couteau, c'est de la grosse merde, par contre, hein. Je tenais à le dire. Le couteau, c'est nul. C'est genre vraiment nul. Qu'est-ce que c'est ça? C'est vrai. C'est vraiment... je faisais 2 de dégâts avec, quoi. Donc, je sais pas, le couteau, je suis pas convaincu, là. Pas convaincu. Un petit peu, ouais. Normal, hein, pour un couteau à beurre. Ouais, c'est une sorte de couteau à beurre. Mais quand même, tu sais, je pensais que mon perso, il pourrait les planter... Ouais, genre planter un dans l'œil, un truc comme ça, quoi. Ouais, c'est juste pour péter les caisses, j'ai l'impression. Ok. Bon, j'ai certainement oublié des items de ci, de là, mais... Tranquille. On va parler à mamie, là. Mamie Grelot, là. Elle est où, mamie Grelot? Elle est là-bas. Attendez, est-ce que j'ai loupé des trucs? Ah, ils ont tout destroy, hein, par contre. Ils ont tout cramé, ils ont tout destroy. C'est vraiment c'est une horde du chaos, là. Mamie Grelot. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire. Madame, restez pas ici, c'est dangereux. C'est quoi ça? Hé, hey, vous m'entendez? C'est toi, le père de l'enfant. L'enfant? Attendez, vous parlez de Rose? Elle est ici? Rose, oui. Elle court un grand danger. Depuis que Mère Miranda l'a amenée au village, les ténèbres se sont abattues sur nous. Mais de quoi vous parlez? De ces monstres? La cloche du château annonce le malheur. Ils arrivent! Attendez, où est Rose? Qui est Mère Miranda? Le glas sonne pour nous tous. Ça y est, ils reviennent! Rose est ici? Elle va où, mamie Grelot? Ils arrivent! Et du coup, elle a dessiné ça. Elle a dessiné une merde par terre. Elle fait genre, c'est un symbole prophétique. Ok. En plus, elle m'a enfermé, tu sais, on n'a même pas réagi. Bah yes. C'est chez Jazz, ça. C'est joli.
Très joli, très ambiance, très hippie, mais très joli. Oh, Lycan, loup démoniaque légendaire, venez nous dévorer, venez manger notre chair. Ah ouais, c'est un bail avec les loups-garous, là ? Fais ton grain. Ok. On dirait un dessin de bébé ou de fœtus, chelou. Pas clair. Mais ouais, c'est, ça doit être ça, c'est des sortes de loups-garous, les mecs qui nous attaquent. Quand tu vois leurs crocs et tout. Donc c'est des lycans ? C'est un bail avec des lycans, c'est ça ? C'est quoi la thématique ? C'est lycans et vampires ? Ah, moi je m'y connais, vous savez. Moi je suis sorcelier depuis des années. Ça, c'est du loup-garou, ça. On est reparti sur Witcher 3. Ça, ça je vous le dis, hein. Ça, c'est du loup-garou à tous les coups, hein. Ok. Alors. Ah, il me faut du silver, là. Ah, la carte. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? Objet à récupérer. Zone inexplorée. Zone complétée. Ah, c'est pratique, ça. Oh, c'est pratique de ouf, ça. Donc, il y a un truc que j'ai pas récupéré là-dedans. D'accord. Ah, ça, c'est bien, ça. Tu passes pas... Au moins, tu passes pas 1000 heures... Quoi ? Je veux crocheter. Crochette. Je peux pas crocheter. Ok, donc je peux pas, j'ai besoin d'un crochet. Mais j'ai pas de crochet. Je peux pas trouver un crochet quelque part, hein. Un conseil fouille tout. Ah, oh, mais t'inquiète, t'as pas besoin de me le dire. Hein. Bon, le crochet, je peux pas. Ouais, mais mamie grelot, elle m'a enfermé là. Bah ouais, c'est super, je peux pas aller looter le truc derrière moi, elle dégoûte. Elle dégoûte, mamie grelot, là. Ok, donc je suis bloqué. Par contre, là, c'est inexploré, là. Ah, de la poudre. C'est verrouillé depuis l'autre côté. Ah, on est vraiment dans Dark Souls, hein. C'est fermé de l'autre... C'est quelqu'un, là-bas, ou... Non, c'est une statue, j'ai cru que c'était quelqu'un avec un chapeau. Ah, il faut un objet, vous êtes mignon, mais moi je l'ai pas, votre objet. Là. Il est fermé. Le petit gris. D'accord. Il faut des bruits chelous, les corbeaux. Ils ont un délire avec la chèvre. Ces chèvres protègent notre village et ses habitants du mauvais œil. Quiconque les détruira subira la colère de Mère Miranda. Ya ! Blasphémateur. Bon, on me dit de pas faire un truc, je vais le faire. Ya ! Faut ouvrir ça ! Je vais ouvrir ça ! C'est quoi, c'est Firelink Shrine ici ? C'est quoi ? Oui, c'était sûr. Bon, je vais arrêter d'ouvrir les portes comme ça, hein, pour votre plaisir. Il a 8 ans, vraiment ? Oui. Ah, elle est dans le trailer, elle ! C'est elle, Miranda ? Morceau de relief vierge. Dramatique. C'est pas le mec qu'on vient de croiser, lui, là ? Mais en mode moins loup-garou ? Attends, c'est quoi, ça ? Ouais. Si la calamité s'abat sur le village, cherchez les morceaux de relief. L'un d'eux se trouve dans l'église, l'autre a été confié à Luiza. Donc là, on est dans l'église. Et l'autre est chez Luiza. Donc Luiza, c'est de l'autre côté. Mais ouais, mais j'ai besoin du truc pour ouvrir... par contre, il y a un truc qui a l'air de faire peur chez Luiza. Il n'y a rien qui est derrière. Imaginez écrire. Ah, c'est ça les points de save. Ah ouais, la vache. D'accord, donc ça, c'est les points de save.
Ah, donc c'est vraiment le Firelink Shrine. Ok. Donc ah non, ça doit être par là, Wizza. Ah mais j'ai pas tout trouvé ici. Apparemment j'ai pas tout trouvé. Il manque un truc. Bah non mais j'ai tout regardé hein. Bon c'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Il faut un objet. Lève les yeux. Il y avait un truc en l'air que j'ai pas vu. C'est quoi ça? Ah oui, en effet, il y a un truc là. Il y a un truc qui brille, mais comment j'y accède? Je sais pas moi. Je peux pas. Hein. Pas grave. Allons-y. Fermé. Bon, Luiza, c'est là-bas normalement. Oula. Putain, mais les trucs creepy, ils adorent ici. Hein. Regarde, l'épouvantail de ouf. Il doit y avoir un système. J'ai eu peur d'un sac de farine qui explose. J'ai vraiment eu peur de ça, là. Ah non, hein. Confection. Oui. 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 Il me faut du heal en veux-tu en voilà. Ok, j'ai pas encore tout trouvé là-dedans. Poudre noire. Toujours pas tout trouvé. Mine ! Ah ouais ! Non mais ça par contre frérot c'est une mine anti-char. Mec ça c'est une mine anti-char. C'est pas une... C'est pas un truc contre les zombies ça. En vrai je vais aller save là. Et save un petit coup. Voilà. Hop c'est save. Alors. Ça doit être là-bas chez Luiza. Vas-y là, le son il m'énerve dans ce jeu. Ils sont où les méchants? Ils vont me sentir. Je peux pas enjamber. Je peux réellement pas enjamber. Ok. Merde! Je peux pas rentrer par là. Ah ok, il y a quoi ici? Ferraille. Il y a de la ferraille. Ok. J'ai obligé de passer par là. En fait, je suis obligé de passer par le champ là. Je les entends fort en fait, mais je sais pas où ils sont, ça qui me rend dingue. Mais ça, c'est un zombie ou c'est le vent? Trop bonne idée d'avoir mis cet effet.
Eh, hey, tu sais quoi, vas-y, j'en ai rien à foutre. Ils viennent. Ouais, mais si tu fais ça, ils vont venir. Ah non, même pas. Ok, bon, à savoir. Hop là. Vas-y, mais ils sont où ? Ça rend fou, je les vois pas. Bonjour. Voilà, à plus tard. Ils sont où les autres? Dégage. Eh, ça suffit par contre. Ils sont où les autres là? Vas-y, vas-y. C'est bon là? Anyone else? Ouais, vas-y, vas-y, dodge. Bonjour. Voilà. A plus tard. Ah, je l'ai one shot. Ok, donc si tu tires vraiment au bon moment et que c'est dans la tête, ça l'est OS. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ok. Donc le shotgun... La porte. Vite. Non, mais tranquille, hein. Je l'ai tous flingué. Hé, hey, vous faites quoi ici? Elle a l'air plus sympa que ma femme, déjà. Vous faites pas de mal. Ah non, non, mais tranquille, hein. Non, calmez-vous. Je vous veux aucun mal. J'étais à deux doigts de mourir. Je suis tombé sur des gens normaux. Vous avez vu d'autres survivants? Non. Ils sont tous chez Louisa. Elle ne répond pas et le portail est fermé. Tais-toi. Elle n'est pas d'ici. On est en Bretagne, là. On n'est pas en sécurité ici. Pour que les gens... peut marcher. Pour que les locaux parlent comme ça, là, on est en Bretagne, là. Un de ces monstres l'a blessé. Il a perdu beaucoup de sang, il faut qu'on aille chez Louisa. Moins fort. Ok, ok. Il doit y avoir un accès. Restez ici, sans faire aucun bruit. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'ouvre le portail. Il est pas ici. Ou en Corse, ouais. C'est vrai que ça aurait pu s'appliquer à la Corse aussi. Ok, ça va? Vous m'attendez? Putain, mais tous les mecs ont les cheveux gris dans cette ville, c'est terrible. Ok. Munitions. Nice. Ouais, mais j'ai toujours pas l'objet. Putain, le nombre de puits où il faut un objet et je les ai jamais. De la poudre. Ok, du coup, y'a rien ici en vrai. Ça a chié. Ah non, je peux passer par là. Ok. Les toilettes. Ok. C'est fermé. Hein ? Morceau de relief. Impossible d'utiliser ça. D'accord. Il me faut un item pour ce truc. Ok. Ok. Non mais vraiment, faut que je fasse entrer les autres. Ah, faut que je leur ouvre la porte. Mais... Ah voilà.
Venez, c'est ouvert. Vite. Je me demande si j'avais pas buté les zombies avant, s'ils auraient pu partir comme ça. T'en as mis du temps. T'es sérieux, mec? J'ai mis 20 secondes. Tocard. Ah, par contre, les visages sont trop bien faits. Il a pas l'habitude de compter sur les autres. Je suis désolée. On sera à l'abri ici. N'est-ce pas? Ouais, ce sera mieux qu'à l'extérieur, c'est sûr. Il va se faire bouffer instant, c'est sûr. Hé! Hey, vous avez une idée de ce qui se passe ici? C'est à n'y rien comprendre. Mère Miranda nous a toujours protégés, mais... Personne ne répond. Papa! Il faut qu'on entre! Eh oh! Y'a quelqu'un? Elle reconnaîtra ma voix. Louisa, ouvrez! C'est moi, Elena! Arrête de crier! Tu vas attirer les monstres! Liliane, du calme. C'est qui, lui? Mon ami! Reste où t'es. Papa! Je t'en supplie, Julian, laisse-nous entrer. Ils vont sentir le sang, vous nous mettez en danger. Mon père a besoin d'aide. C'est pas mon problème. Que se passe-t-il? Ces gens veulent laisser entrer un homme mourant chez nous. Allons, ces gens sont nos amis. Allez-y, entrez. Venez, par ici. Vous n'êtes pas de ce village? Non. Qu'en avez-vous? Moi, c'est Ethan. Julian, rends-toi utile et va faire une ronde. Qu'est-ce que je viens de dire? Bien. Si Elena vous fait confiance, alors moi aussi. Entrez, Ethan. Eh bien. Restez ici. Accueil de ouf. Il y a une machine à écrire pour sauvegarder. Ouais. Boum. Ah, du coup, le tir reste dehors. Ok. Louisa, une partie du bétail a encore été tuée. Si ça continue, nous ne passerons pas l'hiver. Quant à Ernest qui a disparu, nous n'avons toujours pas retrouvé sa trace. Mère Miranda nous aurait-elle abandonné? C'est ce bail là. En fait, on est chez des Amish. On est toujours aux États-Unis là, je crois. Attendez les pages. Suivez-moi. Insane. Je suis en train de regarder le concept art du jeu là. Trop bien cet album de photos de famille. J'ai failli mourir, il me manque un doigt, mais trop bien cet album de famille. Bon, très bien. Okay. T'as les textures de ouf. Venez, les autres nous attendent. Ah. C'est qui lui? Un étranger, vous allez tous nous faire tuer! Anton, du calme! Ah, c'est plus ou moins le Monténégro, le pays. Ok, ok. On s'en sortait très bien sans lui. Venez, Ethan. Asseyez-vous. Vous êtes les seuls survivants? De tout le village? Les seuls survivants? Les seuls survivants? Y'a pas de survivants! Un pauvre invalide. Une conne qui arrête pas de chialer. Et vous? Vous faites entrer un type en sang et un étranger comme si de rien n'était, et vous pensez être à l'abri? Personne n'est à l'abri. Tous les connards dehors se sont fait triper. Et demain... Demain, on sera tous morts. Comme son putain de mari. Mais l'enveilleuse, Roxana... Ça suffit! Cette maison a protégé ma famille durant des générations. Et ivre ou non, chacun est le bienvenu et en sécurité ici. C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici, à la fin? Nous l'ignorons. Nous étions un village pieux et tranquille, mais du jour au lendemain, ces monstres sont apparus et nous ont attaqués. Et puis, il en est venu d'autres... Attendez, Louisa. Où est votre mari? Ils l'ont... Non. Non, non, il est dehors. Quelque part. Il se balade. Il est aux champignons. Il est parti chercher de l'aide. Oui, oui, voilà. C'est ça. Il cherche de l'aide. Ça fait 5 ans qu'il est parti. Prions. Pour lui. Pour nous tous.
Bonne idée. Venez. Approchez. Ça n'a pas l'air de déranger. Entendez-nous. Unis ensemble dans la prière. Nous vous demandons, depuis les ténèbres infinies, de nous guider vers notre destin. Quand la lune de minuit s'élève portée par des ailes noires, nous faisons notre sacrifice et attendons la lumière salvatrice. Attends, mais c'est quoi votre religion? Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire, Mère Miranda. C'est pas très catholique, ça. Le thé doit être prêt. Aide-moi, Elena, veux-tu? Cette prière, je l'ai déjà entendue. Une vieille femme près du cimetière. Cette vieille sorcière. Elle est juste complètement timbrée, celle-là. Sa dévotion n'est pas dénuée de sagesse. Et j'espère que ça la protégera tout autant que nous. Putain, qu'est-ce que tu fous? Leonardo, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Enlevez-lui la machette. Papa! Elena, non! Putain, les graphismes de ouf! Non! Laissez-moi! Oh non! Il va nous tuer! Il va nous tuer! Venez! Mais attends, frérot, j'en bats les couilles. Arrête, je veux pas de bisous. Putain, je pouvais pas sortir mon shotgun. Ça suffit. Oh mon Dieu, je te demande pardon, papa. Hey, regardez-moi, c'était plus votre père. Vous avez fait le bon choix. Elena, non! Y'a plus rien à faire! Non mais là tu lui as mis un coup de shotgun! Elle risque de s'effondrer! Non! Elle lui fout deux coups de shotgun, après il prend deux poutres enflammées, alors en mode papa! Vous pouviez pas le sauver. C'était déjà trop tard. Laissez-moi seule! Non! Non! On va sortir d'ici tous les deux. Faut que je sorte d'ici. On peut utiliser la voiture? Ah mais là, lui laisser la machette, là, c'était tellement mauvais bail. Ok, donc quand t'es blessé, tu te transformes. Mais nous, on a été blessés, là, on va se transformer, hein. 100%, hein. Mais bon, si on a déjà été blessé dans le set et qu'on s'est pas transformé, a priori, tout va bien. Bon, je peux utiliser démarrer, mais ça va pas marcher, ils vont me dire qu'il manque une pièce. Voilà, c'est sûr. Non, bah non, impossible d'utiliser ça. Est-ce que ma photo de famille fonctionne? Bizarrement, non. Ah ouais, continue de pleurer, je cherche. Donc... ça c'est fermé. Faut vite que je trouve une solution. Oui. Plante. Hein? Pourquoi il y avait écrit plante? Ah, plante. Ok, donc là c'est une belle petite cuisine. Y'a rien. Super. A bag of gold. Si tu as besoin d'un tournevis, prends celui qui est dans... hein? Dans le porte-clés. Le porte-clés. Clé du pick-up. Ah bah voilà. Nice. Ouais, yes, c'est une clé. Qu'est-ce donc? Oh, c'est insane, c'est une clé les potes. Ah mais oui, il y a en effet un tournevis là-dedans. Ouais bah voilà. Voilà, ouais, insane. Et du coup, boum, j'ai un tournevis dans le porte-clés. D'accord, donc il faut un peu observer les items des fois. Si t'as l'impression qu'il y a un truc qui est planqué dedans, tu peux le découvrir, ok. Cartouche de fusil, ah oui, ça je dis oui. Le fusil, c'est la vie. Le pistolet, c'est de la merde. Le fusil, c'est la vie. D'ailleurs, je suis comment au niveau des mules, là? Oh, mais je suis bien niveau mules, là. Je suis large. Je peux au moins tuer deux zombies, là. Mais... bonjour. Le feu gagne du terrain. Oh, ouais, les clés. Tournevis. Non, ça ne sert à rien, c'est les clés, hein. C'est bien les clés pour démarrer une voiture, hein. Voilà.
tout le temps. Ok, faut tout le temps checker. Attends, le truc marche direct. Faut pas aller chercher des roues, de l'essence. Attends, il va en manger toute la maison là ? Ah d'accord. Ouais. Attends, mais y a pas genre une porte ? Hein ? Mais comment ? Quoi ? Je comprends pas trop la physique de ce véhicule. Ça va. Qu'est-ce que tu fous, Ethan ? Laissez-moi essayer. Mais tu veux ? Ça brûle. On a plus le temps. Oula. Voilà. On a pas le choix, faut monter. Mais Ethan, il y avait pas genre une porte derrière toi par laquelle on pouvait sortir en fait? Le pick-up, il est arrivé comment dans la maison? Putain, mais Ethan, bercé trop près du mur là, il y a un problème quand même dans la réflexion du bougle. What the fuck? Essayez de parler. Tout ça pour ça. Je sais. Merci Ethan. Ethan boum boum. Ethan, les problèmes, il les résout à coups de bagnole dans le mur. J'espère que votre famille est à l'abri. Mais moi aussi. Non. Une fois dehors, je vous la présenterai. Ouais, bien sûr. Non, c'est bon. C'est bon, ça va tenir. C'est bon, ça va, ouais, ça va tenir, ça va tenir. Pff, il en a aucune idée, hein. elle aurait pu mourir. Là, on va sortir par là. Dieu merci. Mais après, le village est infesté de monstres. On peut pas aller s'affronter. Il y en a trop. Mais non, on va, non. On va voir. Non, tout va bien se passer. On va trouver une maison où vous serez à l'abri le temps que je trouve ma fille. Quelque chose me dit qu'elle est dans ce vieux château. Non. Là-bas, vous ne trouverez rien d'autre que le sang et la mort. Et je veux pas rester seule pendant que vous... Papa ? Mais putain, Terminator, là ! C'est trop tard. C'est plus lui. Il est là. Oh. Il me reconnaît. Papa ! C'est trop dangereux. Non. Oula. Ah. Non, 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 mauvais bail, Elena. Elena, Dieu, c'était sympa, mais... C'était sympa, mais ce sera pour une prochaine fois, Elena, je crois. Tenez, attrapez ma main. Ouais, alors le daron comme tremplin, je suis pas sûr. Ethan, partez. Sauvez votre fille. Regardez-moi. Donnez-moi votre main. Adieu, papa. Putain de merde. Ah, c'est dommage, elle était sympa, Elena. Oh bah non! Pourquoi est-ce que tout le monde meurt? Mais ouais, c'est nul! Peut-être parce que t'es pas doué, mec, aussi, hein. Tu serais passé par la porte du garage. C'est où? Oh bah non, Elena, elle est dead. C'est cuit. Ah, c'est dommage. Ah, mais elle va revenir en zombie enflammé, c'est sûr. Bon, eh bien. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi tout le monde y meurt. Pourtant, j'ai des plans infaillibles. Je comprends pas. C'est un cauchemar. Non, sans déconner. Mais pourquoi ça commence ? Mais comment il fait pour faire ça et pas souffrir ? J'ai trop mal pour lui, le mec il a perdu un doigt et demi et il se tape dessus, au secours. Moi je fais ça, je queen, hein. Aïe. Ok, bon bah, c'était sympa ce petit passage ici, là. C'était sûr, ça allait bien se passer. Ah, tournevis, là, tournevis, hein, quand même, direct. Voilà, incroyable. Tout ça pour morceau de relief démon. Ah, c'est ça qui nous manquait. Il nous manquait ça. Incroyable. Pas ouvrir ça. D'accord. D'accord, ok, j'arrive. Qui est là ? Arrêtez ! Merde, Miranda ! Hey ah. C'était qui? C'était quoi ça? D'accord. Ambiance de ouf. Ambiance délétère, hein, dans le village. Attends, c'était Miranda, ça? On l'a à peine vu. Oh, Mamie Grelot. Je vais l'appeler comme ça toute l'aventure. Mamie Grelot.
Explique-nous ce qui se passe. Toi, au moins, tu meurs pas. Arrête de dessiner des pénis dans la neige, là. Dis-nous ce qui se passe. On leur a tous rendu visite. Comprends rien ce que tu dis, là, mais... Elle est complètement bourrée, la mamie, là. Mamie, explique-moi ce qui se passe. Non. Là, elle dessine des pénis dans la neige. Ah ouais. Complètement starbé, ce village, hein. Ils sont tous complètement fumés. Dommage. On va sauvegarder, hein. Putain. Bon, mamie, là. Mamie. Dis-moi ce qui se passe. Bah, elle va rien me dire. Ok. Alors, est-ce que je peux avancer? Normalement, là, je peux avancer, non? Non? Ah, voilà, morceau de relief démon. Non? Je peux pas, genre, utiliser... Ah, non. Ok, j'ai cru. Alors, comment on en est sur la map, là? La map, qu'est-ce que ça donne, la map? Il faut une clé en fer forgé, ici. Chose que je n'ai pas. Il y a un endroit où j'avais besoin des deux... Parce que là, j'ai les deux trucs... Il me semble me souvenir que il y avait un endroit où je pouvais utiliser ces deux trucs là. Genre là, non? Mais oui. Voilà. J'imagine que ça mène au château. C'est pas le bon morceau? Comme ça. Mani. Voilà, la Vierge. Ah. Voilà. Bah c'est bon là. Eh, quoi ces conneries là. Voilà. Et là le démon. Boum. Voilà, incroyable. Voilà, là, là, là. J'oublie les trucs derrière moi, non? J'ai comme le sentiment d'oublier les trucs derrière moi. Genre ça là, la clé en fer forgé. Rien d'autre que le sang et la mort. Ah. Attends. On va aller regarder derrière là. Je pense que j'oublie des trucs là. Ça va pas. Attends, c'est Jeanne d'Arc. Est-ce que. Genre là, là, non? Pas un truc là? Genre là aussi, non? Non, rien. Oh, c'est fou quand même. C'est quand même dingue. Mais attends, il me faut un item. Il me faut un item important, non, ici. Non. En vrai, tout est fermé. Mais là, par contre... Il me faut des crochets. Et j'ai pas de crochet de serrure, je crois. Hein. Là-dedans, il y a un truc, mais il faut un crochet de serrure que je n'ai pas. À moins que j'ai loupé un truc obvious. Je suis allé, là. Est-ce que je suis allé, là? Bah, super. Super Dark Souls. Ah, mais le tournevis, je l'ai plus. Je l'ai plus le tournevis. Du coup c'est compliqué. Oh oh oh. Ah ouais non, ça je peux toujours pas y aller. Y'a pas quelque chose que j'aurais loupé dans... Ah. Une plante, yes. J'en ai pas besoin mais bon écoutez. Allez, onwards. Oh là c'est la belle et la bête. En moins sympa quoi. Putain trop stylé le château quoi. La petite herse. Trop classe. Bon bah allons-y hein. Ah ça y est, on est en enfer là. Oh putain, je vois R. Oh Kong, je vois R. Mais on est dans les mines de la Moria là. Oh le feu, trop bien fait. Oui, les modos le répètent, mais des fois, je me pose des questions à voix haute. Je ne vous demande pas une réponse dans le chat. Sinon, c'est du backseat, c'est pas rigolo. Je vous le préciserai quand je... Quand j'ai besoin de... Tiens. Je pensais que tout le monde était mort. Tu dois être un dur à cuire, toi. Hmm? Vous êtes qui, vous? Oh, t'es pas d'ici. Encore mieux. Ah!
Mère Miranda va t'adorer. Ok. Putain, mais c'est un mage, lui. C'est un mage... C'est un mec qui a un build de What the Fuck sur Dark Souls, ça. Arrête de geindre, on y est presque. Mais c'était pas lui en version bête qu'on a affronté dehors, là. Enfin, qu'on a affronté. Il est stylé, en tout cas, le personnage. Il est plutôt badass. Aucun d'entre vous n'a besoin de cet homme, et mes filles adorent s'amuser avec les étrangers. De plus, je vous promets que si vous confiez ce mortel à la famille Dimitrescu, mes filles moi-même nous chargeront d'apporter son sang à votre vie. Donc, en gros... Fermez-la, vous deux! En gros, tu vas le garder juste pour toi, et nous, on s'amuse quand? Laissez-le moi. Et j'organiserai un spectacle dont tout le monde profitera. Oh, je t'en prie. Qu'a-t-on à faire du pain et des jeux? En tout cas, je peux vous garantir que cet homme... Oui, on sait. Il va perdre son petit oiseau à la porte du château, blablabla. Bla, bla. J'ai entendu tous vos arguments. Certains étaient moins convaincants que d'autres, mais... Oh, c'est Abby. J'ai pris ma décision. C'est la voix de Abby. Heisenberg, le sort de cet homme est entre tes mains. Mère Heisenberg. Miranda, permettez-moi de protester. Heisenberg n'est rien qu'un enfant et son dévouement envers vous est discutable. Confiez-moi ce mortel et je veillerai à ce qu'il soit prêt. Ferme ton claque-merde et sois pas mauvaise joueuse. T'iras chercher ta bouffe ailleurs. Tais-toi, petit morveux. Les adultes discutent. Morveux, c'est toi qui contestes la décision de Miranda. Je n'ai absolument aucune leçon à recevoir. Ah, c'est ça, continue à grandir, ta tête rattrapera peut-être ton égo. J'ai peut-être mon mot à dire, non? Silence! Ma décision est sans appel. Inutile de discuter. N'oubliez jamais d'où vous venez. Oh, le club de culturistes derrière. Lico et messieurs, merci de votre patience. Et maintenant, place au jeu! Nous voyons ce que tu as de nous montrer, Ethan Winters. T'es prêt? Non! Non! 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ouais, LED. Oh putain, au secours. Au secours. C'est ça. Cours pour ta vie. Oh, c'est le train fantôme. Ok, ok, par là. Ouais. There's somebody. Ok, ok, je passe. Ok. Oh, attends, c'est trop beau. Oh là là. Oh, c'est... Ah non, c'est son grand frère, Hagrid. Ça faisait longtemps, Hagrid. Salut, adieu. Putain, ce qu'il m'a mis. Je suis pas mort, là. Mais là, mais je meurs pas, là. Oh là là, ouais, où est-ce que je vais, là? Ok, c'est la glissade. Oh, c'est Disneyland. Toujours en vie. Impressionnant. Ah! Oh putain. À l'aide. À l'aide, vite, 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 vite. Ok. Bonjour! Ça alors? Tu es vraiment aussi fort qu'on le dit? Ah ouais, je suis trop fort! Oh, donne-moi. Tu pensais quand même pas. Oh, putain de merde! Je dois continuer à divertir Donna et Moro. Il est donc temps de passer au clou du spectacle. Mais je suis mort là! Ça va se saigner. Je suis mort, adieu! Rien de tel que la viande hachée américaine! Heureusement que j'ai trouvé le petit renfoncement là. Ok. Ah, c'est chaud.
Bébé? Attends, c'est ces barges qui ont Rose? Ouais, je crois que c'est ces barges qui ont notre fille, ça va pas être... C'est pas terrible. Bébé? Bon bah voilà, ils croient que je suis mort là. Non? Après ils vont voir qu'il n'y a pas de viande donc... Oula oula. Ah mais en fait, ça c'est mes anciens compatriotes, ça. Ah ouais, non mais voilà les pièges. Non mais attends, mais à quel moment je vais là? Je vais mourir là. Hein. Non mais là je vais décéder, hein, c'est sûr. Hein. Attends, y a pas un... On peut pas genre aller là, hein. Non, on peut pas monter. Ok. Putain, le cast des méchants a l'air haut en couleur, hein. Ça c'est cool, hein. C'est déverrouillé. Putain, j'adore ce message. Bonjour. Salut. Eh, mais mes armes, par contre, j'ai perdu tout. Ça dégoûte. J'ai tout perdu. Ah non. Ah mais non. Mais putain, mais non, tout va bien. Ah bah, je suis revenu à l'endroit où j'étais tout à l'heure. Bon, voilà. J'en étais où? J'en étais là. Ah, j'ai eu peur. La grande voix... La dame de la voix de la grande dame, c'est la voix d'Ariel dans La Petite Sirène. Elle a bien changé. Hein. Elle a poussé, Ariel. Elle est très grande, la dame. D'accord, donc re... Ouais, par contre, le jeu, il est trop beau. Hein. C'est grave. Hein. Le jeu est vraiment très très beau. Bonjour. Ah, c'est un mec. D'accord. Oui, c'est vrai que ça va plus vite pour faire des épouvantails, des mecs. C'est des plantes. C'est les vignes de l'autre con, ça. Ah, le sound design est très très bon aussi, ouais, tout à fait. Ah bah, on y est. Ah bah, ça y est, on y est, on progresse. On y est au château, là. Ah. Vous savez, je vous attendais, monsieur Winters. Vous connaissez mon nom? Nombreux sont ceux qui ont entendu parler de vous ici. Un héros qui est à la recherche de sa fille. Je dois bien admettre que ce château a quelque chose de suspect. Ouais, un peu comme vous. Je ne suis qu'un humble marchand. I'm just a simple merchant. Je suis le duc. Le duc. Parlons affaires. Greetings. Armes, munitions. Remède. Tiens. Tout ce que vous désirez, vous le trouverez chez moi. Greetings, Tavarel. I hope we can do business together. Ok. Que c'est le marchand. Vous cherchez quelque chose en particulier? Il y a un cadeau pour vous, cher monsieur. Il y a un cadeau? Comment ça, j'ai un cadeau? What the fuck? C'est insane. Ouais, la voix est connue. La voix est très connue. Potion Salah? I need your strongest potion. La bourse, besoin d'argent. Quoi? Crâne qui se cristallisait. Ah, tu peux convertir. Ah, tu peux convertir les trucs que t'as déjà. Donc ça se vend contre de l'argent. Reste cristallisé d'une créature au croc acéré. Objet de valeur. Ça se vend juste. Ingrédients, autres, soins. Ça, je vais pas le vendre. Munitions non plus, surtout pas. Non, j'ai deux trucs de pistolet. Arme. Bon, voilà. Élément. Bon, je vais vendre le crâne. Ouais. Eh bien, voilà. Vendre. Ah, vous savez, bon. C'est vraiment parce que c'est vous. Ah, je vais peut-être pas vendre le fusil, non. Mais alors, il y avait écrit « Le duc peut améliorer vos armes, moyennant finance. » Alors, attendez, parce que là, je me demande. Là, la décision, c'est est-ce qu'on upgrade comme des fous furieux le pistolet, ce qui nous permettra de s'en foutre des munitions des autres guns, ou est-ce que on essaie d'upgrade un peu tout? Parce que c'est, des fois, c'est valable de faire ça. Genre, le pistolet a l'air merdique, mais si tu l'upgrades à fond, de chez à fond... À la fin, du coup, t'es en mode munitions limitées et ton pistolet, il est insane, quoi. Pas une bonne idée? Ouais, je sais pas. Hein.
le bazar. J'ai des articles pour vous, monsieur Winters. Ah, il a des crochets. Attendez, mais il y a des trucs qui coûtent rien? Ou je rêve, là? Crochet, je pense que c'est important. Hein. Ne peut être utilisé qu'une seule fois. Ah oui, c'est normal que vous soyez intéressé par cela. Schling. C'est quoi ça? Valise, augmente le nombre d'emplacements disponibles dans votre inventaire. Oh, ça, ça doit être insane. Oh, ça, j'ai envie d'économiser pour avoir ça. Hein. Oh, ça, à mon avis, c'est insane. Hein. Ça, quand tu l'as, t'es content, je pense. Formule mine, permet d'apprendre la fabrication des mines. Ah, en vrai, la formule pour crafter les cartouches de fusil, ça, je pense, c'est incroyable. Ça, c'est important. Remède premier soin. En fait, je vais prendre tous les trucs à zéro. Merci pour cet achat. Ah, voilà. Mais attends, mais... je comprends pas, là. J'achète des trucs et ça me coûte rien. Accessoires d'armes, monsieur Everywhere. D'accord, maintenant j'ai... Mais on est sur Apex ou on est sur... Oh, j'ai un silencieux de ouf. Samurai Edge. Ah ouais, oh c'est bien, oh je prends ça. Trois possibilités. N'ai pas assez de place dans notre inventaire. En jeter ou acheter un sac plus grand. Ah vas-y, ça dégoûte. Ah ouais. Attends, j'achète... Ok, donc là c'est le truc Raccoon City. Et ensuite t'as détente, crochet indisponible, tout ça c'est indisponible, couteau aussi. Ok. Les trucs gratos ça doit être mes cadeaux je pense aussi, ouais, je pense que c'est ça. Donner un coup de fouet aux armes. Ah, je sais pas, hein. Pour le moment je sais pas trop. Je peux modifier toutes sortes d'armes les yeux fermés et je le fais pour une somme modique. Je vais vendre un premier soin. Vous n'avez voilà. Pas mieux à me proposer. Et du coup, je vais acheter ça, là. Mais comment ça, j'ai pas assez de place? Vas-y, ça m'énerve. Ah ouais, d'accord. Ah d'accord. Ok. Voilà. Voilà, bah, c'est bon, là. Non ? Confirmé ? Oui, voilà. J'ai le truc, le Samurai Edge, là. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais du coup, je peux l'améliorer ? Ah bah non, je peux pas ! Attends. Raccourci 4. Je vous souhaite de faire bonne route. Oh ouais, non mais il est trop stylé, le pistolet, là. J'ai 61 balles ! Attends, j'ai 60... J'ai tellement de balles ! Le Samurai Edge, il est bien ou il est à chier ? Tout le monde avait l'air de dire que c'était un move de merde. A priori, un move de merde de la part du joueur français. Dommage. Pas lui, m'en fous. Eh, par contre, l'interface console, elle est là. Ok. C'est de la merde, Samurai Edge ? Ah, oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Fait une erreur, là. C'est pas grave. Hein. Vous savez quoi, c'est pas grave. Ah ouais, niveau 2, c'est 6000 gold. Hein. Cadence de tir aux F. Ouais, non. Hein. Ne faites pas attention à moi. Il vient de te répondre, le PNJ. Attends. Parce que là, il y a... Ah non, ça c'est celui que j'ai acheté qui coûte ça. Et du coup, là, puissance 110, 04, 2.6. Bah, il tape plus fort, il est peut-être mieux, non ? Bon, vous savez quoi, on va voir. Mais le truc qui m'emmerde, c'est que si j'ai jamais... Bonne route. Si j'ai pas assez de place, c'est relou. Je peux pas, genre, stocker des trucs ? Faites à votre guise. Il faudrait que je stocke quelque chose, mais je pense que je peux pas ici. Bon, vous savez quoi ? Revenez quand vous voulez. Ouais, carrément, mec. Putain, il y a un petit cheval et tout.
Moi, j'ai le pistolet silencieux, là. Au moins, je ferai pas de bruit quand je tire sur quelqu'un. C'est ça que je me dis. Y'a pas une machine à écrire ? Château Dimitrescu. Est-ce que Rose est ici ? Bon, c'est cossu, hein. Bam ! Hop là, les mules. Gratos, ça. 5 janvier, Rednik, livraison d'un homme et de 3 femmes. Ok. 28 janvier, Mère Miranda, entretien avec Madame Dimitrescu. 1er février, le duc, discussion d'affaires. C'est la grande dame, c'est Madame Dimitrescu ? C'est peut-être ça ? Ok. Très belle peinture baroque. Très belle peinture. Pas du tout. Non, c'est pas baroque ça. C'est pas baroque. Plus classique ça. Alors. De l'argent. Il ne se passe rien. J'adore. Bonjour monsieur. Alors là, il y a des petites vibes amnésia, là. Plus Rocco, à mon avis. Oui, c'est vrai. Il est vrai. Les cours d'histoire de l'art sont très loin. Bam ! Je casse tous leurs vases, j'en ai rien à foutre. Y a pas genre une machine à écrire, là, quelque part, là ? Je me sens pas à l'aise, là, de... Je sois pas safe. Oh, les échos des... Il y a eu un cri bizarre. Voilà l'ambiance du château là. Labyrinthe de Norstein. Artisan de la fin du 19e siècle, Norstein fut qualifié d'hérétique puis banni de sa patrie. Il erra longtemps avant de s'installer dans un village isolé. C'est là qu'il créa 4 labyrinthes. Le château, la maison sur la colline, le moulin à eau et la tour de fer. Une fois ceci achevé, il se mit un pistolet sur la tempe et se donna mort. Chaque labyrinthe est unique et fonctionne avec une boule métallique spéciale qu'il faut guider jusqu'à l'arrivée. Les 4 labyrinthes renferment des ossements humains parés de cristaux de différentes couleurs. On raconte que ces ossements sont ceux des 4 femmes qu'a aimé Norstein au cours de sa vie. Ah bah non, la photo de famille, ça va pas marcher. Bon, énorme le décor pour faire du Warcry, là, incroyable. Ah, une machine. Let's go. Mais il n'y a pas un bail de coffre ? Il n'y avait, pas un coffre dans Resident Evil 7 ? Je croyais qu'il y avait genre un coffre où tu pouvais stocker ton stuff. Si, il n'y en a plus là, du coup, c'est fini tout ça. Restituer le visage des 4 anges. Tu cherches Rose ? Ah, me tapez pas, hein, me charcutez pas encore. Ah non, ah. Ah, mais putain, mais c'est pas possible ! Le sang d'un homme. Ah mais vraiment, mais attends, mais je... Mais c'est fini là, je suis mort. Hein. Mère, voici une nouvelle proie. Vous êtes si gentille, les oh, filles. Oh putain, on est mort là. Attends, c'est la fin du jeu là. Bien, jetons-y un. Vous allez vous bouffer le chandelier, faites gaffe. Wow, ça alors, Ethan Winters. Tu as survécu au jeu de mon idiot de frère, à ce que je vois. Voyons voir ce que tu as de si spécial. Bien, mère. Bien, mère. Ah ouais, c'est la voix de Tracer. Ah, t'es plus sympa dans Overwatch. Mais je suis debout là ou je suis assis ? Ah, mais arrêtez de me charcuter, putain ! Il commence à perdre de sa salle. Alors dévorons sa chair sans tarder. Mais c'est moi qui l'ai capturée. Pas si vite, les filles. Je dois d'abord prévenir Mère Miranda.
Mais ensuite, il y en aura bien assez pour tout le monde. Bonjour, madame. Accrochez-le. Hein? Accrochez quoi? Non, attendez. Mais putain, non, mais il y a un moment. Non, mais sans déconner. Arrêtez, je fais tout ce que vous voulez. Non, mais bon. Oh, fais attention à ce que tu dis, Ethan. J'ai combien de blessures, putain? Genre, vraiment, mon personnage, c'est une station de production de sang infini ou comment ça se passe? Non, mais... C'est pas possible, mon personnage, il se fait blesser combien de fois? John McClane à côté, il s'est juste fait effleurer, j'avoue. Allez, là. Ah, mais en plus, mais comme ça, mais genre quoi? Mais comment je me sers d'une arme au bout d'un moment? Comment? Quoi? Ça a aucun putain de sens. J'ai des moignons. À la fin de l'aventure, j'ai des moignons. Heureusement qu'il y a des potion seller. I need your strongest potion. Ça repousse du coup le doigt avec ça ou pas? Oh, c'est incroyable ce... C'est incroyable ce synthol là. Moi je veux le même, hein, chez moi. Hein. Mais du coup, c'est quoi le bail dans ce château? Les gens te capturent et après ils... Un verre karma. Ok. Pouic. Donc c'est du sang hein, qu'elle devait boire, c'est sûr. C'est un levier que je ne peux pas utiliser. Un joli feu de cheminée. Putain, mais par contre, c'est terrible comme on se fait charcuter la gueule constamment. Quoi. Il y a un moment, il faut peut-être arrêter là. C'est trop, c'est trop. Ah, d'accord. Bonjour à tous. Ah, c'est chelou votre confiture. Hein. Ça va aider. Ah. Oui. Hein? Serrure pour être crochetée. Ah ouais, de ouf. Crochet. Clink. Passe-partout. Je suis passe-partout de Fort Boyard. Ah oui, cartouche de fusil, ça j'aime. Ça j'aime. Je me demande si des fois tu crochettes une serrure, t'ouvres et y'a rien. Et là t'es juste en mode, yes, j'ai envie de péter quelque chose. On peut passer par là. Je suis le Père Noël. Je suis le Reverse Père Noël. Reverse Père Noël, actually happening. Attendez. Quelque chose me dit que j'ai peut-être oublié un truc dans la pièce. Quoi? Je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Je pars là. Je veux sortir. Merci. D'accord, y'a rien. C'est ferrouillé. Non, mais j'ai rien. Non, mais Reverse Père Noël. C'est bon. C'est parti. Salut le petit rat. D'accord. Bah yes. Une bague. Ah. Je peux passer? Ah oui, je peux passer. Ah, on se souvient tous de Outlast et ces fameux moments de varap contre les murs où on se fait choper par un mob. C'était un peu la classique. Putain, on dirait le décor de Table Quest saison 3, insane. C'est à peu près aussi aussi value au niveau de la du décor. Où est-ce qu'elles ont emmené Rose? Ok, donc je dois collecter 4 pièces. Je dois mettre des bagues là-dedans? Non. Non. Et alors, du coup, est-ce que je peux... ça, par exemple. Examiner. Voilà. Non, mais non. Il n'y a rien là-dedans. Je peux pas, genre, trouver un item ou un petit élément.
On dirait pas. Mais c'est juste un trésor, c'est pour ça. Bon, ça par exemple. Attendez, l'œil te suit du regard tout le temps. Oh, trop bien, comme dans Monster Hunter. Donc là, j'ai un œil. Une pierre qui ressemble à un œil injecté de sang. D'accord. Ah oui, il me regarde tout le temps. Ok, c'est pas du tout creepy, j'adore. La photo de famille, y a rien derrière. Non. Photo de famille où je suis pas dessus, hein, évidemment. Je peux pas utiliser l'écarlate. Ah mais j'ai plus la bague. D'accord, donc l'intérêt c'était juste d'avoir l'œil. Ok, ok. Mais là... Oh, c'est cossu. En tout cas, c'est la belle baraque de Seigneur de Bretagne. Ah, c'est de la belle baraque. C'est beau. Hein. Non mais là, tout à l'heure, je me fais choper. Attendez, je save. Je save. Tout à l'heure, je me suis fait choper là-dedans. Là. Comme nous nous retrouvons. Vous... Il m'a fait trop peur, ce con. Les affaires sont les affaires. Les affaires... Les affaires sont les affaires. Fille. Non. Si elle est vraiment d'ici, il y a de fortes chances que la maîtresse du château la garde dans ses appartements privés. Ne pensez-vous pas? Dimitrescu? Elle-même. Pourquoi ne pas jeter un œil? Sait-on jamais? En parlant de jeter un œil, regardez ce que j'ai en boutique. Putain, mais lui, là... Vous cherchez quelque chose en particulier? Ah ouais, ouais, je te... Oh, ça coûte ça! Ah ouais, c'est bien, ouais. Tiens, je te le vends. Boum. Bien, j'achète. 7300. Eh, il me faut plus de place dans mon inventaire. Hein. Dès que je peux, je vends ça. Ouah, ça coûte 13 000, ça. Non, mais ça, c'est mon arme. De la marchandise est plus important que tout. Ah, ça oui, mon ami. Attendez, je réfléchis, là. Pourquoi il y a deux points? Je peux switch entre les deux armes? Parce que là, le Lemmy, j'ai le Lemmy et ensuite j'ai le 1000... Il y a une touche pour changer parce que j'ai une autre arme de poing que j'aimerais améliorer. Ah mais oui, je veux la valise. Je veux la valise. Non, c'est juste qu'il y a deux améliorations, c'est ça? Accessoires. Bon, bref. Sauvegarder. Hâte de voir les fruits de votre exploration. Merci, mec. Ok, ça nous fait un pote. Ça franchement, ce jeu me fait beaucoup penser à... Enfin, c'est marrant, mais dans l'ambiance et les différents PNJ et les interactions que t'as, ça fait très Dark Souls, vraiment. Ça me rappelle ça, dans les jeux que j'ai déjà fait avant. C'est déverrouillé. Ah, d'accord. Ah oui, on arrive là, après. Le côté un peu cryptique, les PNJ chelous, l'ambiance ultra gothique. Ça me rappelle beaucoup Dark Souls. Ok, alors attendez. Et là, du coup, là, on arrive au moment du jeu où il faut avoir du sens de l'orientation, c'est ça? Donc c'est le moment du jeu où je suis perdu, en gros. Oh, c'est hyper beau, par contre. Hein. Oh, c'est vraiment de la belle baraque. Ah, on a une carte. Ok, donc là-dedans, là. C'est le marchand qui tousse, là. Ah oui. Ok. Ça bougeait ça avant? Bam! C'est bon, j'ai tout chopé ici. Ça c'est trop bien le fait que ça te dise... C'est verrouillé de l'autre côté. Ok. C'est le vent, ouais. Ah par contre le shotgun avec le petit boui-boui au bout il ressemble à rien. Avec une physique exceptionnelle. Oui, oui, oui. Ça n'a aucun sens.
Ok. À la salle du vin. Le marchand de vin. Où est-ce qu'il est, le marchand de vin? J'aime le faire, le marchand de vin. Ouais, il y a eu un bruit. Non. L'histoire viticole du château de Montazac remonte au 15e siècle, bien avant l'arrivée des occupants actuels. Alcina Dimitrescu a combiné les techniques traditionnelles à un procédé dont elle a le secret pour enrichir l'intensité des saveurs du vin et lui conférer un bouquet épais. Son meilleur millésime est le Sanguis Virginis, qui signifie sang de vierge. Il est conservé dans une bouteille spéciale décorée de fleurs argentées. Tiens donc! Non mais c'est 100% une vampire en fait. C'est vampire et lican là. On peut pas utiliser ça ici. D'accord. Encore une affaire de marchand de vin. C'est le pouvoir de marchand de vin. Bon. Sympa cette petite... Très utile ça. Si tu souhaites être archer. Oh, je me demande si les armures vont être... animées à un moment. Y'a pas beaucoup d'ennemis là. Oh! Boum! Oh mais non! Ah non non! Ça suffit les mouches! Not the bees! Ah! Ah oh, mais on est mort là! Non mais c'est terminé pour nous, on est mort là! Ça fait longtemps que j'ai pas disséqué un homme. Laisse-moi te pendre, te trancher la jugulaire et regarder. Capturer mort ou vif, tu préfères quoi? Mais je vais mourir là. Oh putain, oui. Ah, Bob là! Une petite chute. Petite chute. Ok, on s'en est sorti. C'était mon premier jour de travail au château aujourd'hui. J'ai été très étonné de constater que tous les domestiques étaient des femmes. La maîtresse et ses filles ont insisté sur le fait qu'elles ne mordraient pas. C'était pour le moins étrange. 23 juin 1958. Cela fait 2 semaines que j'ai commencé à travailler au château et j'ai un peu peur. Une autre servante, Adela, a commis un impair et mademoiselle Daniela lui a tailladé le visage avec un couteau. Et la nuit, j'entends des gémissements, comme si des fantômes erraient dans les couloirs. Je veux rentrer chez moi. 8 juillet 1958. Je ne sais pas quoi faire. Les jeunes demoiselles se plaignaient qu'il faisait une chaleur étouffante pendant le dîner. Alors j'ai entrouvert la fenêtre. Ferme la fenêtre! Ferme-la immédiatement! M'ont-elles crié à l'unisson. J'ai peur d'être emmené au sous-sol et que l'on ne me revoie plus jamais. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. D'accord? Bah yes. Yes, super ambiance. Mais ouais, les mains, elles cicatrisent vite. Hein. Les mains cicatrisent très vite. Alors qu'est-ce que c'est de cette affaire encore? Il y a du feu là? Je rêve ou il y a du feu derrière ce truc? C'est un reflet? Ouais, par contre, les doigts ont pas repoussé. C'est quoi cette... Quelle est cette mélopée douce? Oula, merde! Ah ouais, elle fait vraiment 4 mètres de haut, en fait. Comment t'as perdu tes doigts? Lesquels? C'est des oisillons? The fuck, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mission pour pistolet. Faut pas laisser traîner ça, hein. C'est moi qui fais ce bruit, c'est pas elle. Putain, je suis un débile. Petite ortolan. Elle fait 2m90 dans le lore. Ah ouais, là. C'est la première femme... Première femme Adeptus Astartes, en fait. Sauf que ça a mal tourné, quoi. Oula ! Oh, c'est beau ! Oh, c'est super ! C'est quoi, c'est la guerre de Troie ? Incroyable ! Incroyable, bas-relief exceptionnel.
Mais qu'est-ce que je fous là, moi? Crois en la lumière. Yes. Ah. Je crois comprendre. Incroyable. Exceptionnel, mesdames et messieurs. Ayez foi en la lumière. Ah, merci. Je suis en train de me dire, Aziz, lumière. Ok. Eh ben parfait. Parfait, parfait. On avance. C'est couvert de sang. Quelle surprise. Un appareil de torture couvert de sang, c'est dingue ça. Mais il s'est passé des trucs de ouf ici. Faudrait peut-être pas que je me fasse capturer là. Si on peut retarder le moment où il m'emmène me faire torturer, je veux dire, c'est cool. Hein. J'ai la ref. Ah, ils ont la ref dans le chat. Et bonjour. Ça s'ouvre pas dans ce sens-là, en général, les portes, c'est bizarre. Cette... L'image que je voyais sentait. J'ai réussi à sentir l'écran, là, de ce que je voyais. Il y a air ici, c'est dégueulasse. Candidate, Irina, Mihaela, Loïs, Ingrid. Rejetée d'Andorra, Greta, Nadine, Camélia, blablabla. D'accord, ok. Donc il y a eu des sujets de test, j'ai l'impression. Ok. Bon. Ouais, le porte-clés, c'est relou. J'hésite à le virer. Je pense pas que je puisse. Je pense que je peux le virer que chez le marchand. Mais là... que ça casse un peu... On est d'accord, ça casse un peu l'immersion d'avoir le petit truc qui se balade. Je peux le virer ou pas? Je crois pas que je puisse. On est d'accord, c'est l'enfer. Ça casse l'immersion de ouf, le petit jouet, là. Mais il n'y a rien, en fait, ici, c'est de la merde. Attendez, mais il n'y a pas rien, c'est pas possible. Voilà, par là. Voilà. Irina, appétit vorace. Mihaela. Ok, ils ont tous appétit vorace, sauf Ingrid, qui est instable et qui reprend parfois confiance. Connaissance. Ok. Mais il transformait les gens en vampires, en fait, c'est ça l'idée? C'est ça le bail? Yes. Connard. De l'argent. Il y a une bête là. Attendez, il y a une bête là. Il y a une bête. Au secours, il y a une bête. Des pièces détachées. Incroyable. Alors, je sais pas à quoi ça va me servir. Attendez. C'est juste pour crafter ? Je dirais. Putain. Ok, ok. Ok, ok. Who wants some? Oh putain, non! Ah! Sale bait! Laisse-moi! 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 Ok, ok, ok.
J'ai l'impression qu'ils s'en foutent des dégâts que je leur mets. Ok. Ok. I'm out. I'm fucking out. Non. Ok. Ah, ils m'ont pas suivi. Ok. C'est encore des saloperies qui meurent pas quand tu leur mets un coup de shotgun dans le crâne. C'est bon quoi. Je prends congé. Nous n'en serions pas là. Mais putain, vous me rendez fou. Foutez-moi la paix. Casse-toi. Allez. Quel supplice préfères-tu? Non, rien. Laisse-moi. Laissez-moi. Du loot. Laisse-moi casser ça. Où est-ce que tu vas, petit coquin? C'est toi. Oh là là, coquine. Ah non. Merci, je voulais dégager. Non, non. Ah, eh. Tes balles ne font rien du tout. Vas-y, mais c'est cheaté aussi, toi. Espèce d'imbécile! Je ne te pardonnerai jamais! Aïe! Aïe! Je ne ressens aucune douleur! Bam! Ah non, mais ça suffit! Ah bah! Voilà! Elle prend pas cher! Ah! Oh, voilà! Comment oses-tu t'attaquer à nous? Casse-toi, bordel de merde! Impossible! Tu vas mourir, oui! Mais c'est pas possible! Chier! Alors, du coup, c'est les fenêtres. Un buste cristallisé. Putain, j'avais plus qu'une balle de shotgun. Bon, bah, bidon. J'ai pris cher! De l'eau. Petit timing. Je sais pas si c'est le froid. C'est soit le froid, soit la lumière du jour. Je sais pas. En tout cas, c'est gagné. Bah, let's go. Putain, j'ai une munition de shotgun. Hein. C'est dramatique. Par contre, 100, 120 balles. Bon, on va rester au pistolet maintenant. Oh, un petit cabernet là. Attends, mais c'est pas ça le Virginis. Ah, j'ai mal au fait. Sanguis Virginis, c'est ça le truc. Ça, il faut que j'aille mettre la ferraille. Petit lapin. De l'argent. Merci. Mais par contre là, en hardcore, elle, comment tu fais quoi? Quel enfer. Je suis content de ne pas avoir mis en hardcore. Une autre servante a été envoyée au sous-sol. Son seul crime était d'avoir renversé un peu de soupe. Tout le monde sait ce qui arrive quand on vous envoie là-bas. Plus personne ne vous revoit. On vous vide de votre sang et votre âme est condamnée à errer à jamais entre ces murs. Je suis allé la chercher et lorsque je l'ai trouvée, la pauvre n'avait plus que la peau sur les os et elle était en train de ronger la carcasse d'un rat. J'ai peur d'être la prochaine. Ouais, c'est pas terrible les conditions de travail ici. Hein. Pas ouf. Hein. Pas ouf. Hein. En tout cas, il y a une sœur en moins, je pense qu'elles vont avoir, ils vont avoir le seum, les autres. Ah, j'ai pas de crochet, ça dégoûte. Compenseur de recul. Incroyable. Je peux mettre ça, lui ? Boum ! Compensateur de recul. Ah, je peux pas la modifier maintenant, d'accord. Après, est-ce qu'on avait réellement besoin de ça? Je suis pas sûr. Attends, j'ai eu un crochet, là? Ah bah, allons-y. Hop. Un ange en bois. D'accord. Merde! C'est pas grave. J'ai beaucoup de balles. Pas grave. Bonjour. Alors, d'accord, donc là on est dans la salle à manger. C'est parti tout seul.
Par contre, j'avoue, ce jeu en VR, ça doit être quelque chose. Hein. Putain, mais qu'est-ce qu'il mange, de la tarte au sang? Ah, pas taper. Il y a une clé là-bas. Ah non, il faut une clé. Bah oui, non, je peux pas utiliser le sanguis vinis ici. Ah, de la poudre noire, ça m'intéresse. Ok. On va passer par là. Hein. Cling. Ok, on est revenu là. Donc, le hall des anges, salle du marchand. Faut que je retrouve où est l'endroit où il y avait le truc du vin. Je crois que c'est à l'étage. Il me semble que c'était à l'étage. Ah, c'est là, je crois. La wine room, voilà, c'est ici. Boum. Et là, maintenant, du coup. Incroyable. Tranquille. Attends. Vas-y, on va regarder ce qu'il y a ici. Je save après. Clé de la cour. Ok. Cool. On a eu la clé de la cour. Oh putain, ça c'est du vin, mon gars. Ça, c'est du vin, c'est du béton. C'est quand même du costaud, ce vin. C'est impressionnant, hein, les bouteilles de vin ici. C'est du... Je sais pas si c'est vraiment du vin, là, du coup, d'un coup. Là. Mon gars, le truc... pas envie de boire ce vin. Là, tu le digères mal, ce vin, je pense. Le secret d'Almatien, ouais. Ok, salle du marchand, c'est là-bas. Je me demande si je vais pas tarder à avoir assez pour... C'est pas par là. C'est pas par là, tranquille. Je me demande si je vais pas tarder à avoir assez pour m'acheter l'upgrade de la valise. Bonjour. Grâce à votre soutien sans faille, je propose de nouveaux services. Ah bon? Bienvenue, Ethan. La bourse. Buste cristallisé. Ah bah voilà. Boum. 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 Ange en bois. Ah bah ça aussi, ça se vend. Boum. 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 Ok. Et là maintenant... Jetez un coup d'œil à mes derniers articles. La valise. Il n'y a pas de fardeau trop lourd pour ceux qui sont forts. Attention. Boum. Tout de même à votre dos. La valise, c'est bon. Permet d'apprendre à fabriquer les cartouches en fusil. Oui. Ça, je pense, c'est trop bien. On achète merci ça. Pour cet achat. Maintenant... Ok, est-ce que je peux crafter bonne des... journée. Munitions de fusil. Oui. J'en ai plus assez. Mais là, c'est bon, là, niveau... Ah bah voilà, on est bien, là. Let's go. Bienvenue. Ah oui, évitez le backseat. Ah là, je m'en sors pas trop mal, là. Bon, le shotgun, l'upgrade, ça pourrait être une bonne idée, vous pensez pas? Le pistolet, je sais pas. Je pense que ça sert à rien de l'upgrade. Ne faites pas attention à moi. Il y a des trucs qui pourraient m'intéresser là. Pas vraiment. Hein. On va garder notre argent. Soyez prudent. Be careful, my friend. Ah oui, on retire les petits bonhommes. Compte tes doigts pour voir si tout va bien. Puis je choisir quelque chose pour vous. Franchement, ça va, tranquille. J'étais à deux doigts de mourir, mais ils ok. Obtenir de la marchandise est plus important. Que... Alors comment je fais pour comment je fais pour retirer les trucs de mes armes en fait? Comment je fais? Vous savez? Ça par contre, j'autorise le backseat pour bonne ça. Journée. Dans les options? Tab? Ah, dans les options du jeu. Comment... Paramètres du jeu. C'est pas dans caméra, je pense. On peut pas les retirer? Faut retourner dans le menu principal. Ah ouais, bon, on va le faire parce que j'avoue que c'est pas très agréable. Ok.
On va regarder ça. Option. Ah voilà. Parfait. Continuer. Hop. Let's go. Pourquoi il veut le retirer? Parce que c'est hyper moche. Parce que c'est hyper moche et que c'est hyper distrayant, quoi. C'est l'édition de luxe pour le gun avec silencieux. Ah, ok, ok. Ça marche. Ah, bah voilà! Là, on discute. Voilà, là, c'est bien mieux. Très bien. Très bien, très bien. Poursuivons. Donc, ouais, la clé de la cour. Alors, la cour, c'est par où? On peut y aller par là? Non. Ah oui, non. Ça, ça s'ouvre avec le visage des quatre anges. Il aurait pas un crochet à vendre? À votre service. À votre service. Ton avis, pour l'instant, tu aimes? Pour le moment, ouais, c'est pas mal. Pas mal. Comment ça, indisponible? Vas-y, c'est bidon. Quoi. Le mec, il me vend un truc, il en a plus, quoi. Ça dégoûte. Revenez quand vous voulez. Non, ça marche pas, hein, ici. Hein. Il me faut un item en particulier. Apparemment, il y a un truc à loot là-dedans que j'ai pas trouvé. Je me demande où c'est. Ah. De la poudre noire. Ah bah non, il y a encore un truc que j'ai pas loot. Ah merde alors, c'est quoi? Non. Attends, mais c'est pas du tout silencieux. Vous l'avez vu? Putain, moi j'ai rien vu. Aveugle man. Mais attendez, tu comptes le finir? Ouais, je pense que je vais le finir, ouais. Mais merde alors, mais je suis... Mais non, mais attendez, là. Attendez, c'est grave, là. Ah oui! Ah d'accord, faut péter le... Ah d'accord, ok, ok, ok. Alors c'est quoi un fragment de cristal? D'accord, donc ça se vend. Très bien. Ok, ok. Ok, ok. Couteau, ah, tranquille, j'ai 110 balles, mec. Tranquille, tranquille, j'ai 110 balles. Ok, eh bien, revenons-en à nos moutons. Il faut qu'on trouve la porte pour accéder à la cour. Je te fais visiter. Non, mais vraiment? Au secours. Laisse-moi tranquille, sans... Ah oui. Je peux pas casser ça là? Au secours! Au secours! Ah, arrête! Non, pas de bisous! Qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait mal! Connasse! Attends! Au secours! Ça l'a mangé, ça doit être pas. Laisse-moi! Ah, faut que je me soigne! Laisse-moi! Ouais! Oui, c'est ça! Vite, ouvre! Ah, c'est bon, elle m'a foutu la paix. Ah. Vas-y, elle m'a forcé à utiliser un heal, ça dégoûte. Je peux crafter un. Ouais. Nice. Donc. De l'or! Merci. D'accord, donc elle. Ouais, par contre, les mouches, ça tue le FPS, c'est bizarre. Il y a un petit souci d'optimisation sur le framerate quand il y a les mouches. Bah oui, connard. Apparemment, vous approuvez. Oh, c'est sympa, la petite véranda, là. Hyper sympa. Merci beaucoup, Kizama-chan, pour le tier 3. 14 mois, merci beaucoup. C'est gentil. Photo de famille, ça marchera pas ici. Demon's Day, merci pour le tier aussi. Value Corp. Il y a un bruit, là. Merci Skouratov, Gimzik, RC Ronan,
Le ray tracing a de gros problèmes sur ce jeu, peu importe ta config. Ah ouais ? Bon, moi, de toute façon, il n'y a pas le DLSS, je trouve ça dommage. Le DLSS, c'est la vie. Hein. Moi, les jeux qui ont du DLSS, à chaque fois, je suis comme un fou. Hein. DLSS, c'est vraiment la vie. Hein. Heureusement qu'elle est sourde. Heureusement qu'elle est vraiment sourde, la géante. Boum, je casse ton mobilier, tu vas faire quoi? Putain, mais on est vraiment... on est dans les appartements de Napoléon, quoi. La décoration est insane, hein. Là, je peux te dire que les artistes qui ont fait tous les environnements, ils ont dû en bouffer de la référence historique, ils ont dû en bouffer... Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Alors, rien, elle dort. Il faut une clé. Carte du château. Oh ouais. Ah ok. Donc là on est dans les appartements de elle. De la meuf là. Non. Y'a rien là-dedans. Y'a rien. La poudre noire. Ok. C'est du sang ça, hein. D'accord. Ok. Il doit y avoir un système. Il doit y avoir une énigme là. Quand les femmes sont insensibles aux avances des hommes, les paysans que personne ne regarde remettent à leur seigneur le fruit de leur dur labeur pour que le vin puisse couler. Ok. Donc quand les femmes sont insensibles aux avances des hommes, donc les femmes ne regardent pas les hommes, donc elles... Voilà. Voilà. Est-ce qu'elle peut tourner encore le dos? Est-ce que eux... Non, ils sont au max. D'accord, donc c'est deux positions maximum. Ok, ok. Attends. Parce que là, en gros, c'est en mode... Ah non, ça, c'est les paysans. Attends. Parce que qui est qui, là, exactement? Merde, je suis tombé dans le sang. Donc ça, c'est une dame qui porte du vin. Ça, c'est une... Attendez, c'est quoi, là? Quand les femmes sont insensibles aux avances des hommes, les paysans que personne ne regarde remettent à leur seigneur le fruit de leur dur labeur pour que le vin puisse couler. Mais c'est du raisin, ça? Ça, c'est le seigneur. En fait, j'arrive pas à comprendre qui est cette personne. Qui est cette personne? C'est écrit? Quand les femmes sont insensibles aux avances des hommes, les paysans que personne ne regarde remettent à leur seigneur le fruit. Personne ne regarde. Comme ça, non? Ah non, personne ne regarde, donc le seigneur regarde pas.
C'est pas bon, le bail comme ça, là. Parce que ça... C'est une femme ou c'est un mec, ça? Il y a un truc à faire au milieu. Vas-y, je comprends pas, là. En fait, j'ai l'impression que l'énigme est pas complète. Quand les femmes sont insensibles aux avances des hommes, donc en gros, elles regardent pas les hommes, les paysans que personne ne regarde remettent à leur seigneur le fruit de leur dur labeur. Donc, c'est la femme qui les regarde pas. Parce que ça, c'est des paysans. Mais oui, c'est des paysans, ça. On est d'accord, ça, c'est des paysans. Mais oui, c'est des paysans. Ils ont un sac avec eux. Mais c'est... T'es qui, toi? Ça rend fou. Je dois appuyer sur un truc pour faire le test? Pour que le vin puisse couler. Putain, mais oui, le seigneur, après, il regarde lui pour que le vin coule. Ah, vas-y, vraiment, j'ai été très débile, là. J'étais très débile, mais lui, je savais pas qui c'était, là, m'énerve. Bon, j'ai réussi. Sans backseat. Insane, l'énigme. J'ai rien compris. La réponse, c'était que personne ne regarde les paysans. Non, mais ça, j'ai compris. Ça, j'ai compris, mais... Bref. Vas-y, on passe à autre chose, ça m'énerve. Tiens, prends ça, toi. Saloperie. Donc... C'est qu'en fait, j'arrivais pas à identifier tous les personnages de la scène. Quoi, putain? Oui, bah c'est du sang, mec, hein, c'est bon. Tu t'exclames « Ah, putain, maintenant !» alors que depuis le début, c'est l'enfer. Les femmes. Le random que tu savais pas qui était une femme, donc elle regarde pas les hommes. Ah, d'accord. Bon, bref, j'ai réussi, c'est tout, c'est bon. Oh putain, est-ce qu'on va voir un water monster à la amnésia encore là? Ah non! Ah non! Oh, pas comme ça! Ah non, pas comme ça, non! Ah, quel enfer! Ah, quel enfer! J'en étais sûr. Casse-toi. 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 On peut les tuer du coup. Vas-y, il a fait plouf celui-là. Vas-y, je me tire. Casse-toi! Vas-y! Vas-y, casse-toi! C'est bon. Donc. Ouais. Combien j'ai d'HP? Ça va, je suis bien en HP là, tranquille. Poudre noir. Ah bah, je l'ai défoncé. Ok. Bonjour, somebody! Voilà. Hop là, ça te fait du vent dans la tête. Oh, tranquille, tranquille. Bon, vous mourrez un jour, c'est bon. Down. Bon, ça va, il tombe. Il tombe. 81 balles, on est tranquille. He's ok. Faut faire du headshot, hein, sinon ça tombe pas. Hein. Sinon ça tombe zéro. Hein. Ok. On est en difficulté normale. Au début, j'ai lancé en hardcore, les gens m'ont dit, mec, hardcore, tu vas roter du sang. Surtout que j'ai jamais joué à Resident Evil avant, du coup, je me suis dit, très bien, je vais écouter le chat. Je vais être raisonnable. Bonjour. Merci à vous.
Ok. T'as pas mal de joueurs dans moi qui ont eu bug. Apparemment, y a un bug lié au hardcore aussi. En fait, c'est pour ça. En vrai, non, attendez, je retire tout ce que je viens de dire. On joue pas en hardcore parce qu'il y a des bugs. Mais sinon, on aurait joué en hardcore et on serait pas mort. Évidemment. Évidemment. Bien sûr, bien sûr. Putain, c'est beau, ouais. Oh, c'est beau. Petite plante. Bien évidemment. Bah, on est joueur professionnel sur cette chaîne, hein, avant toute chose. Munitions au pistolet, ouais, non, j'ai besoin de la ferraille et de la poudre noire pour les munitions importantes, c'est-à-dire les cartouches de fusil. Ça sonne! Attendez. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a eu un hype train qui est passé sans que je le voie. Merci Demon's Day, Kisama-chan, Pakiplo, Guillaume, 1340. Merci pour les 6 mois. Le jeu a vraiment l'air cool, je pense que je vais me l'acheter. Bah écoute, pour le moment, c'est pas mal. Par contre, c'est violent. Ça fait peur. Battle X Pro, merci pour les 32 mois. Ashbury pour les bits. WalterX pour les 9 mois. Frenergy, merci pour les 21 mois. Et Saurus pour les 26 mois. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci pour les sub et resub. Oh, 1000 crédits. Insane. Bon, bah écoutez. Petite salle vidée. On est bientôt aux appartements de Lady Mountain. Je sentais que ça allait pas être clair, les deux petites... Ah oh, vas-y, là. Madame Girafe, là. Quoi? Ah, oh, j'ai cru qu'il y en avait deux. Mais elle est aveugle ou comment ça se passe? Mais d'où elle nous voit pas? En fait, on est un Ewok pour elle. On n'est pas dans son champ de vision. Tout ce qu'il y a en bas, elle voit pas. Mère Miranda, j'ai le regret de vous informer qu'Ethan Winters a échappé à cet imbécile d'Eisenberg. Car il est dans mon château et il donne beaucoup de fil à retordre à mes filles quand je le trouverai. Non, Mère Miranda. Oui, bien sûr, je comprends l'importance de la cérémonie. Vous pouvez compter sur moi. Oh, diable, cette cérémonie! Cet homme va payer pour tout ce qu'il a fait. Strong as the mountain. Ça, c'est les fans fortes comme j'aime. Putain! Mon gars, elle a yeet la commode. Oh la vache, la commode en fer forgé. Mère Miranda nous a tous convoqués pour que nous discutions du sort du père de l'enfant. J'ai la nausée rien qu'en pensant à cette réunion de famille. J'ai horreur d'être traité comme la sœur de ces misérables. Surtout Eisenberg, ce faquin ne connaît pas les bonnes manières. Je l'aurais découpé en morceaux si mère ne m'avait pas arrêté. Pourquoi me traite-t-elle comme les autres? Elle m'a pourtant donné ce château, des filles obéissantes et la vie éternelle. Ne suis-je pas sa préférée? Ne suis-je pas special? Je crois que j'ai besoin d'un verre. D'accord. Full alcoolique en plus. Rose, où es-tu? Ah bah oui, merde. Bah au prix... Ah ouais, c'est... Ah bah ça fait des beaux draps, hein. C'est verrouillé. Un sacré bout de femme. Ah ouais, un sacré bout de femme. Ah mais là, je peux rien mettre là-dedans. Attendez, mais là, je suis stuck. I'm stuck. Ouais. Nani. Clé de Dimitrescu. Let's go. Oh, merde. Te voilà. Tout ça pour une enfant qui ne se trouve même pas ici. Mais qu'est-ce que vous... Oh, espèce de misérable créature ingrate! Tu t'invites chez moi! Tu poses tes sales mains répugnantes sur mes... filles! Et maintenant, voilà que tu essaies de dérober ce qui m'appartient! Comment oses-tu? Profite de cet instant de répit! Parce que je vais te traquer! Et je vais te détruire! Pardon, madame. C'est ça. Et c'est toujours.
Pardon madame, excusez-moi madame. Ah non non mais moi je la provoquerai pas, hein. Moi je m'en vais, hein. Je m'en vais, excusez-moi, je suis désolé. Au pire vous pouvez garder ma fille, hein. C'est pas grave. C'est pas grave, franchement, j'en ferai une autre, c'est pas grave. Salut, je m'en vais. Elle va me choper derrière, non? Je vous dis, j'en ferai une autre, c'est pas grave. Franchement, gardez-la. Je sentais que c'était un modèle défectueux en plus. J'ai pas eu le temps de m'attacher, il est ok. Niveau mine de shotgun, je suis pas hyper bien. Hein. Là, ça va être un... Oh, c'est... ça sent l'arène de boss fight, ça. Attends, mais on va déjà la tuer, elle, là? Enfin, essayer. Oh, la musique. Ta-ta-ta-ta-n. Mais c'est un des labyrinthes dont il parlait, non? Ah. Je crois que je peux me crafter... Ouais, des munitions de shotgun. Merci. Je vais en avoir besoin contre elle, je pense. Ce qui est pratique, c'est que je risque pas de la louper, lol. Mais... Comme si j'allais te laisser filer. Mais... Ah, mais je suis mort, là. Tu finiras en morceaux avant d'avoir pu revoir cet enfant. Mais je fais comment pour utiliser mon shotgun? Hein? Allez. Mais je suis mort, là. Oh, putain, elle casse les portes. Au secours. Mais ouais, là, je peux rien faire. Mais comment je vais faire? Au secours. Ah. À plus tard. Ma main! Rends-moi ma main! Main coupée. Yes. Oh, ça met beaucoup de temps. Oh putain! Ok, ok. Ok. Calmos. Calmos, mamie. Hop, oh, putain de merde! Allez, salut la noob! Elle est encore là, au secours. Ouais, ça, au hasard. Vite. Vite, c'est déverrouillé. Faut que ça s'ouvre maintenant. Ouais, ouais, ouais. Masque du chagrin. En effet, j'ai peur, je suis triste. Est-ce qu'on peut me rattacher ma main? Courir ne te mènera nulle part. Attends, je t'ai brain. Ah, j'aurais mis ma main à couper que je serais mort là. Non mais par contre, la potion magique par contre, faut que ça s'arrête. Vraiment. Attends, non mais par contre, vraiment là. Non mais c'est trop pratique ça par contre. Ça, c'est à regretter que ça se passe pas comme ça en vrai. Hein. Un petit peu de glue là, un petit peu de colle plastique là. Et là c'est la colle citadelle, c'est la colle citadelle plastique, ça fusionne la chair. Et hop. C'est bon, je me casse d'ici. Et hop, on a plus le bras coupé. Mais t'es... Bah bonjour, bah au revoir. Voilà, dégage. Voilà. Somebody. Voilà. Salut mec. Les mecs, je sais pas d'où ils viennent. Y'en a un autre? Ah ouais, y'en a un autre. Hop. Peut-être mieux de les fumer au pistolet, eux. Ils sont pas très très résistants, mine de rien. Après, tout est relatif, évidemment. Mais alors, eux, du coup, ouais, dehors, ils s'en foutent. Eh, vas-y, elle m'a coupé la main, mais tout va bien. Hein. Ah, mais dégage. Bon, tu vas mourir, oui. Voilà. Y'en a pas un autre? J'en ai entendu un autre gueuler. Mais en fait, y'en a non-stop, je crois, ici, là. Je crois que c'est ça, le bail. La cour, j'ai pas encore tout looté. Ah non, ça c'est la salle de bain. Ouais, il y en a deux autres là-bas, ouais. Je crois que ça spawn en boucle. Ok. Je vais arrêter de gaspiller mes munitions sur eux. Parce que je crois qu'ils spawnent en boucle. Je peux ouvrir ça? Je pense pas. Non, ça c'est dead end.
Je viens d'ici. Je viens d'où? Ah non, oui, je suis allé là déjà tout à l'heure. Vous êtes relou. Vous êtes beaucoup trop collant à mon goût là. Laisse-moi. Voilà. Ouais non, il spawn en boucle. Ok. C'est... L'info est confirmée. Ça m'a dit que j'ai pas looté tout ce qu'il y avait ici. Ça me gêne un peu. Ah bah voilà, avec la clé ici, je peux ouvrir maintenant. Il disait qu'il y avait une porte chelou. C'est déverrouillé. Non mais casse-toi. Voilà. Ok. What now? Oh là là, quel enfer là, l'autre là. Carte du château annexe. Ok. D'accord, donc là il y a la salle d'opéra. Attendez, mais ouais. D'accord. C'est verrouillé. Alors c'est un bon jeu. Bah écoute, pour le moment c'est un bon jeu d'horreur. Ouais. Bon par contre ton personnage c'est un lézard quoi. On lui coupe la main, il peut se la recoller, il se fait planter dans tous les sens, il s'en fout. C'est un vrai lézard le personnage quoi. Un truc qui marche là. Le rouge à lèvres de madame a disparu. Si quelqu'un le trouve, merci de le remettre dans sa salle de bain. C'est une pièce faite sur mesure et donc très chère. La gouvernante. Ah, nice. Ok, c'est pas la bonne clé, super. Attendez, j'ai quoi comme... Masque du chagrin. Masque de pierre trouvé dans le sous-sol. Il exprime le chagrin. Ça, c'est pour la fameuse grosse porte que je dois ouvrir, je crois. Il y a des zombies ici. C'est un livre. J'analyse un peu là. C'est un livre. Premier jour après le traitement, les trois filles ont cessé de bouger. Elles sont comme mortes. Un insecte s'est échappé de la bouche de l'aînée. Ça semblait être une mouche commune. Deuxième jour après le traitement, les trois corps sont recouverts de mouches qui dévorent leur chair. Lorsque j'ai ouvert une fenêtre, certaines d'entre elles sont tombées au sol. Il semble que le froid les pétrifie. J'ai vite fermé les fenêtres pour éviter d'affaiblir davantage les insectes. Quatrième jour, les trois corps ont été presque entièrement dévorés par les insectes. À présent, ce ne sont plus que des amas sombres d'insectes dessinant vaguement des silhouettes humaines. Il est midi passé et les insectes ont commencé à changer de couleur. Ceux qui recouvrent le visage sont devenus blancs et ceux qui s'en situent au niveau des lèvres ont viré au rouge. Sixième jour, les masses d'insectes se sont à nouveau déplacées et ont donné un aspect humain aux trois filles. Toutes les trois se sont réveillées et m'ont regardé comme des nouveaux-nés découvrant leur mère. Je ressens une sorte d'attachement pour elles. J'ai déjà choisi leurs prénoms, Bella, Daniela et Cassandra. Bah yes. Bonne ambiance. Je te vois, toi. C'est un énorme squat. Il y a des zombies partout ici. Bonjour. Bon, tu vas mourir, oui. Voilà. Bonk. C'est une autre maquette. Boule. Fleur et épée. Ok. Je me demande si ça va pas être utile pour le truc près du marchand. Bonjour. Picabou. Je crois que ça le plaît pas que je lui tire dessus à l'autre bout de la pièce. Picabou. 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 Voilà. Donc c'est 8 balles dans la tête pour en tuer un. Faut être motivé, hein.
Pour en coucher un, faut vraiment être motivé quand même. De la ferraille. Encore de la ferraille. Du coup, pour descendre, c'est par là, je pense. Ok. Bonjour, monsieur. Bah ! De l'argent. Oh, un piano. Oh, le piano a queue de ouf. Oh, il est beau. Ah ouais, je vais jouer. Attendez, quoi ? C'est un do, ça ? Ah, c'est un do plus haut. Un do, ensuite un sol. Si. Ok. Quatre ans de piano. Le solfège qui carie, bien évidemment. Clé en fer forgé. Let's go. Vive la musique. C'est un livre. Encore une fois, c'est un livre. Nom scientifique, aucun. Taille entre 5 et 6. Le crack, non mais par pitié, enfin s'il vous plaît. Genre c'est bon. Le chat en mode... Oh le crack, il a lu une note insane. Calmez-vous tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Entre 5 et 6 cm, leur structure corporelle ressemble à celle des mouches à viande, mais avec des différences au niveau de la tête. Ils sont carnivores et extrêmement voraces. Lorsqu'ils chassent, ils émettent une phéromone d'agrégation qui leur sert à se regrouper pour prendre une apparence humaine qui trompe leur proie. Incapables de se reproduire, ces insectes naissent lorsque le cadou pond des œufs dans son hôte. Ils sont sensibles aux changements brusques de température, en particulier lorsque le thermomètre descend sous la barre des 10 degrés. Leur métabolisme s'arrête et ils entrent dans un état de stase qui s'apparente à la cryptobiose que l'on observe chez les tardigrades ou le polypédilum van der Planckii. Yes. Yes. J'ai tout compris. Bref, c'est des mouches à merde. Moi, je suis plus musicien que scientifique. Bref, c'est des mouches à l'herbe. Bon, du coup, déverrouille ça. Ah, d'accord. Oui, donc on était là tout à l'heure. Ah, mais j'ai pas encore tout loot là-dedans. Ça va pas. Yes. J'ai tout vu ici ou quoi? Je peux pas... Merde, non. Y'a rien d'autre? Ah, la poudre. Ah, c'est bon. Et ça, c'est trop bien, le fait que t'aies pas besoin de t'embêter à chercher partout pour être sûr d'avoir tout looté et que la salle devienne bleue quand t'as tout looté. Ça, c'est vraiment une trop bonne idée. C'est con, mais c'est vraiment une trop bonne idée. À l'étage, par contre, j'ai pas tout check. Ah ouais, mais j'ai pas de crochet, ça dégoûte. J'ai besoin d'un crochet. J'en ai pas. Ça saoule. Bonjour, au revoir. Je t'ai pas attendre. Non, 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 ça va. C'était très bien sans vous. Alors par contre, le fait qu'elle arrive comme ça d'un coup, c'est extrêmement creepy. Ouais, non mais j'y vais du coup. A plus tard. Salut. A plus. Putain de merde. Ah ouais, non mais il y a les autres, les glandus là. C'est bon là. Attendez du coup là... Attendez, mais là, je fais quoi, là? Parce que là, j'ai une clé en fer forgé. Il y avait une porte. C'est vrai que je suis chez elle, techniquement. Il y avait une porte, il me semblait. La boule fleur et épée. Boule métallique décorée d'un emblème. Masque de pierre. La clé en fer forgé, je crois que je peux m'en servir quelque part, mais je sais plus où. J'ai zappé où je peux m'en servir. Après, j'avoue que je pourrais peut-être aller save, là. Pardon, monsieur. C'est raté. Je vais aller save, j'avoue que c'est une bonne idée, je pense. Le problème, c'est que je vais croiser l'autre abruti, là. Ouais, elle va me croiser, elle va faire coucou. Non? Ah non, tranquille. Ça va. Je m'attendais à ce qu'elle soit là. Oh, ça va, en fait, on peut aller save facile. Heureux de vous voir sain et sauf. Comment ça s'est passé? Bon, la routine.
Aucun signe de Rose. Toujours pas mort. Oh, vous m'envoyez fort désolé. À zero death, hein. On est toujours à zero death. Vous trouverez sa trace une fois que vous serez sorti de ce château. Tant que vous y êtes, avez-vous besoin de quelque chose? Toujours, mec. Grâce à votre soutien sans faille, je propose de nouveaux services. Ah, tu me fais plaisir. Alors là, du coup, je peux utiliser la boule ou pas? Oui! Oh, c'est Rock of Ages. D'accord. D'accord. Ah, d'accord. Oh, c'est énorme. Oh, c'est comme un jeu vidéo, ouais. Vous n'êtes pas intéressé, je suppose. Pas du tout, mec. Oh, c'est incroyable. Oh non! Ah ok, d'accord. À la fin, faut négocier le virage de, comme un pro, quoi. La musique me fait trop penser à, au menu de Dark Souls 2. Non. Oh putain, mais c'est trop dur là. Oui. Ok. Crâne cramoisi. Ouh, let's go. C'est beaucoup d'argent ça. Eh. Ah oui, oui. Let's go. C'est combien? Oh, c'est 8000! Putain, c'est pas mal! Ouais. Ossement cristallisé retrouvé dans le labyrinthe du château. Ouais, c'est bon, je peux vendre ça. Boum. Oh, vous m'apportez quelque chose de spécial. Special. J'ai du nouveau en stock. Ah bah, j'espère bien. Eh, par pitié, t'as pas des crochets? Vas-y, ça dégoûte! Tu sers à rien, mec! Il a pas de crochets! C'est nul! Chargeur de grande capacité. Détente sensible. Augmente grandement la cadence de tir. Je sais pas en vrai. Oh, je sais pas. Bon, les munitions. Le craft des munitions snipe. Un choix intéressant. Peut-être que ce sera utile, mais pour le moment, je suis pas sûr. Faites voir les upgrades là. Qu'est-ce qu'on a? Bon, la puissance. Ouais, ouais. Avec plaisir. Rechargement, capacité. En vrai, Osef. Hein. Là, pour le moment, il me faut de la puissance. Je suis plus habile de mes mains qu'on pourrait le croire. Il me faut de la puissance là. C'est un investissement, Ethan. Ouais. En vrai, vas-y, des cartouches. Là. Attends, ça coûte une égale 1000? Non, mais par contre, si une cartouche de fusil égale 1000, on peut pas discuter, quoi. On peut pas rigoler. Les affaires sont les affaires. Ah non, mais tout en 1000, c'est mort. Trop cher. C'est beaucoup trop cher. Une cartouche, 1000 gold. C'est bon, quoi. Il y a un moment... Ah, mais tranquille. A plus, mec. À la prochaine fois. Mais là, du coup, ça y est, mon pistolet avec silencieux, il sert à rien. Il est moins bien que celui que je viens d'améliorer. Un mob, 3 cartouches. Non, mais c'est ça. Un mob égale 1000 balles, c'est stupide. Alors, est-ce que c'est le masque du chagrin? Je crois que c'était celui-là. Ah ouais. Ok, donc il en reste 3. Mais j'imagine que du coup, faut buter les autres sœurs, c'est ça? Je sais pas trop. Attends, je vais re-save. Ça, si je meurs, j'aurais pas à refaire ça. Attends. Voilà. Pourquoi ils sont tous super grands ou super gros? Je sais pas. Je sais pas c'est quoi le bail. Elle va revenir l'autre là? Oh, une tasse de sang. Trop bien. Attends, il n'y avait pas un item genre... C'est quand même bizarre. Non, il n'y a rien du tout là-dessus. Ah, il y a le gros rouge à lèvres de l'autre, là. D'accord. Insane. Trop utile, ce truc.
Et ça, c'est le chapeau de Heisenberg ? Non, je sais pas. Pas trop. Ok. Ah, y'a l'autre qui est là. Elle rentre chez elle. Ah non, elle me cherche. Elle me cherche là-bas. Mais je sais même pas si je peux la tuer en fait. Ah vas-y là, ils sont relous eux. Elle m'a vu ? Est-ce qu'elle m'a vu ? Jure, elle m'a pas vu. Non, c'est pas par là. Ah, elle m'a vu. Espèce d'intrus répugnant. Vas-y, viens là. C'est moi ou elle vient de claquer son pote ? Pardon. Au revoir. Oh, le fait de l'entendre marcher, c'est si badant. Attendez, mais là, attendez. Je cherche une porte que je dois débloquer. Là-bas, non ? Si, c'est ça. Bonjour, au revoir. Adieu. Je m'en vais. Pardon. Pardon, excusez-moi. Pardon. Oh putain, mais vas-y, là ! Vas-y, vas-y. Vas-y. Vas-y, j'ai pas peur de toi. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Bah, salut, ça va ? Ça va ? Salut. Vas-y, c'est horrible. Bonsoir, non. Ah, non, elle en a rien à foutre. Elle en a rien à foutre. Ok. Salut, je dois y aller. Excuse-moi. Excuse-moi, mais... Je dois y aller. Alors, vite, on se dépêche. On se dépêche. On se dépêche. Le pire, c'est qu'elle marche. Elle marche, elle va aussi vite que moi quand je cours. Ok, c'est ça. C'est cette porte. Dis-moi que c'est cette porte. Ouvre la putain de porte. Ouvre la putain de porte. C'est bon. Quoi? Oh mais non, mais c'est pas possible. Tu te décides enfin à venir me voir. Non mais Tracer, c'est bon. Non mais, ah, par où je vais? Ah, mais comment je fais? Munitions. Bah ouais, mais non, mais c'est de la merde. Ah, ah, bisous. Non. Casse-toi. Tu vas me tuer. Oui, bah oui, c'est le plan. Ah non. Aïe, 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 ça fait mal. C'est pas possible. Eh oui, c'est ouvert ça maintenant. On va se heal. Paf. Paf. Pourquoi tu fais ça? Bah parce que t'es méchante. C'est où? Je rêve. C'est forcément un rêve. Bah oui, oui. Pourquoi? Ah bah allez hop, ça dégage. Ah bah si, si, je crois que si, tu vas mourir. Ah merde, j'ai pas eu le bon timing. Tout à l'heure j'ai eu le bon. Allez, ça dégage les mouches là. Les mouches à merde, ça dégage. Bon bah voilà, elles sont bidons en vrai là. Ce boss fight, il était bidon. Il y avait des gros leviers pour la mettre dans la merde. Dans la salle où elle m'attendait, c'était un peu bidon. Elle a pas recall, Tracer. Elle aura peut-être du recall. Elle aura peut-être du recall. Je peux crafter des munitions? Oui, je peux. Quel plaisir. Du coup, niveau mun de shotgun, on en a plus que 5. Hein. C'est pas terrible. Mais là, mine de rien, l'upgrade de puissance, il a fait du bien. Bon, bah, plus qu'une serrette. Voilà, elle va commencer à être vénère, hein, la... Gulliver, là. Miss Gulliver, là. Elle va commencer à être vénère, je pense. Elle va commencer à en avoir ras-le-cul qu'on lui bute ses filles. Ah, munitions. Ok. J'ai pas tout looté, attendez, on va vider cet endroit là. Ouais, ouais, elle y arrivait pas toute seule, je crois, à se suicider, elle avait besoin de nous. Ça doit être ça.
Il est 23h57. Bon les amis, on va pas tarder à stopper là, je pense. Parce que je sais pas quelle est la durée du jeu. Ça me surprendrait pas que ce soit un jeu qui dure moins de 12 heures. Du coup, je pense qu'on l'aura fini cette semaine, mais on va faire ça tranquillou. Tout cassé. On casse tout. Yo, l'unium. 10-12 heures. Ouais, bah nickel. Alors. On va se faire ça en 3 soirées. 3 soirées et on aura terminé. Ah bah c'est bon, j'ai tout looté. Ok. Et là, il y a la salle de la joie derrière nous qu'on n'a pas regardée. On va aller explorer la salle de la joie. Et réaliser à quel point ce n'est pas la joie. Oh putain, c'est beau, ouais. Ah bah tiens, masque de la joie, voilà. Un nouveau masque qui nous manquait. Let's go. Donc c'est un masque qui a une encoche, on dirait. Putain, les statues, là, elles sont trop belles. Hein. Les statues sont trop, trop stylées. C'est un poil Gaudin ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est quoi cette porte ? Ouais. Attends, c'est quoi le bail là ? Ah, donc ça, c'est pour débloquer l'entrée. D'accord. Donc là, on s'est créé un raccourci, façon Dark Souls. Ah oui, c'est un raccourci pour revenir là, carrément. Ah ouais. Ah, c'est pratique ça. Ah ouais. Ok. L'info de chat entre environ 10-40 heures. Beaucoup quand même. Oh jure. Dans le doute, tape. Il y a du feu sur ce truc là. Pourquoi? Faites sonner les 5 cloches. Vous avez compris la blague, c'est une cloche. Ouais. Les cloches, il y en a où? Il y en a où d'autres des cloches? Pas de cloche. Ah. C'est ça. C'est rigolo quand même. Moi je trouve ça rigolo. Ça fait une cloche déjà. Ça sert à rien mais ça fait du bien, exactement. Exactement. Ok. Donc ça fait 2 cloches. 3 cloches. 5 cloches, il disait. Cloche. Merde alors. 5, il m'en manque 2. Doit bien en avoir une planquée là. Eh ben, marche pas. Faut que je me mette en haut. Ok, quatrième. Il en manque plus qu'une. Bah, la dernière que je vois, c'est elle, là. Ah non, il y en a une là-bas. Incroyable. Oui. Ah, la sixième cloche qui s'ouvre. Incroyable. Et ben voilà. Encore une affaire rondement menée. Par les unités d'élite, mesdames et messieurs. Allez hop. Où est-ce qu'on va arriver? Ah, j'y tenais à ma blague, bien sûr. Et j'ai bien forcé. Ok. Il est vivant, lui. Bah oui, bien sûr qu'il est vivant. On me l'a fait pas, moi. Hein. J'ai joué à Dark Souls, mec. Hein. C'est bon. Hein. Allez, la petite d'air.
Hop. Une bouchée pour maman. Ah, c'est vraiment 8 balles. Un crochet. Nice, ce crochet. Ok. Je devrais peut-être utiliser plutôt le gun de base. Je pense. Carte au trésor. Oh là là. Attendez, carte au trésor, comment ça? Je suis en quelle difficulté? Je suis en normal. Save, bah j'avoue, ce serait bien qu'on save. Mais là, je suis un peu loin hein, pour save. Hein. Je suis au grenier. Vous savez quoi, je vais même pas la faire, je vais laisser le chat la faire. J'ai entendu dire qu'une arme que l'on surnomme dague des fleurs de la mort se trouve quelque part dans ce château. Il s'agirait d'une antiquité du Moyen-Âge enduite d'une concoction de différents poisons provenant des quatre coins du continent. On dit qu'elle a été conçue pour tuer les monstres et les démons. Oh mais 100% on utilise ça pour tuer la grande dame, Gulliver. Gulliver Chan. Cette histoire a beau être fascinante, personne ne sait où se trouve la dague en question. La dague des fleurs de la mort. Bon, mais là, un papier qui en parle, ça veut dire qu'elle est à côté. Elle est dans la pièce d'à côté. Oh putain! Un fusil F2! C'est un phal, ça, non? C'est pas genre un phal, ça? La dague de la mort. Là, on discute. FRF2. Fusil FRF2. Fusil français. Ouais. Mais c'est... non, c'est pas la même chose qu'un phal. J'ai cru que c'était un phal. Voilà. Ah non, mais c'est Castlevania, hein. Et ils reviennent. Un moins. Bullseye. Deux en moins. J'ai que deux munitions, je vais arrêter. Est-ce que je peux crafter... Non. Je peux pas. Ouh, ce serait bien que je puisse save là quand même. Hein. J'ai mon vieux fusil, je suis paré. Eh, des munes là, non? De l'argent. Puis c'est pas qu'un peu, hein, c'est des bonnes grosses grappes de thunas. Hein. Attendez, du coup, raccourci. Hop. Appuyez. Ah, c'est là, c'est pour aller save? Ah, si c'est pour aller save, c'est incroyable. Ah, salopette! Qu'est-ce qu'il fout, là? Tire-toi! Putain, mais meurs! Ok. C'est chelou, cette gueule que ça. Bon, en tout cas, je l'ai down, mais ça demande quelques munitions. Alors que le sniper permet de les down en un coup, donc c'est vrai que le sniper d'un coup est vraiment bien. Bon, la musique est affreuse! Hey! Allez, descends. Ok, bah je me casse. Vous m'énervez. Vous me faites peur. Je pense que ça, c'est pour revenir en bas. C'est un raccourci que j'ai débloqué. Non, mais vraiment, je maintiens. Je sais, je suis chiant avec ça, mais le jeu emprunte beaucoup en termes de level design à Dark Souls et ça me plaît. C'est très cool. Hein. Bah, je pense qu'on va, save ici, les amis. Ethan et ses trois doigts, quelle efficacité, vous avez vu ça? Parce que là, je pense que ça va me ramener... ça va me ramener près au rez-de-chaussée où il y avait le point de spawn. Enfin, le point de save. Voilà. Exactement. Voilà. Là, on est au début du level. Voilà, exactement. C'est exactement. Cassandra, viens ici. Non, mais moi, je voulais juste save. On va... Qu'est-ce que cet homme t'a pris ? Tu es ma fille. Agis comme telle. Très bien, mère. Allez, à plus tard. Hein. Nous, on va save. Hein. Salut. Hein. Je crois qu'elle est énervée que d'avoir perdu ses deux filles. Ah tiens, bah du coup... Ok, à plus tard. Je dois aller save.
Bienvenue, bienvenue. Salut, mec. J'ai sûrement quelque chose pour vous. Ah ouais? La dame, elle veut me taper, tu peux m'aider? Acheter quelque chose. Et là, elle rentre pendant que j'achète, le cauchemar. Petit buste cristallisé. Hop. Comme toujours, une transaction honnête et équitable. Honnête, une transaction très honnête. J'ai 12 000 de thunes, là. Il peut pas me vendre des éléments de craft? Ça m'arrangerait de ouf. Et je ne crois pas qu'il puisse. Cadence de tir augmentée en vrai contre les boss, mais je sais pas, j'ai envie de garder mon argent. Ne pour faites pas attention à moi. Ah, on peut améliorer le sniper. Cadence de tir pour le pistolet, par contre, ça peut être utile. Mm-hmm. Capacité non. Rechargement. Ah, capacité pour le shotgun. Pourquoi pas, vous savez quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. Allez, on va stopper là. Bonne journée. Et on va sauvegarder là. Et on va terminer pour ce soir, mesdames et messieurs. Qu'en effet, la save a fonctionné. C'est incroyable. Il est minuit 8, mesdames et messieurs. L'ennemi m'attend juste à la sortie. Incroyable. C'est du HRP d'acheter pendant une scène de tension. Complètement. Complètement. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. Attendez, mais est-ce qu'il m'attend juste là? Non, tranquille. J'ai le buste à donner. Mais je crois qu'elle m'attend en bas, en haut, non? Ah, elle est juste là-bas. Masque de la joie. C'est ça, je crois. En vrai, je sais même pas quel buste est le bon. Mais peut-être que c'est bon. Hein. Et j'ai vu qu'il y avait qu'une encoche tout à l'heure, du coup, je me suis dit que c'était celui-là. Bon, en tout cas, on a deux bustes sur les quatre. Ma foi, c'était productif. Hop. Heureusement qu'on a cette pièce inviolable, hein, les amis. Heureusement qu'on a cette pièce absolument inviolable. Et ben voilà, écoutez, les amis. Voilà. C'était Resident Evil 8. La musique, elle est grave relaxante dans la pièce de save. Grave cool. Heureusement que la colle à BA est efficace quand même. C'est vrai que la colle là, l'espèce de liquide qui te met... Incroyable. Hein. La suite sera quand? Ah bah je vais vous dire ça tout de suite. Il fait des bruits bizarres par contre. Je vais quitter. Hop. Alors. C'est quitté, c'est parfait. Parfait. Let's go les amis. Il est cool ce petit jeu, ouais, carrément. C'est très très bien. C'est très très sympa. Pour le moment, je me régale. Il n'a pas trop flippé dans le village au début. Bah, j'étais pas tranquille, mais très honnêtement, pour le moment... je trouve pas qu'il fasse tant flipper que ça, hein. Vraiment, hein. Je trouve pas qu'il fasse tant flipper que ça, moi, pour le moment. Genre, il a une ambiance et une immersion cool, mais je me sens pas terrorisé, quoi. Je me sens acculé, je me sens... C'est dérangeant, toutes les scènes de gore. Voilà, ça te met mal à l'aise. Mais c'est plus une ambiance, en effet, que vraiment de la peur. Voilà. Il est pas... Ah, vous le trouvez moins flippant que le 7. Ouais. Bah, moi, pour le coup, je me chiais plus dessus quand j'ai joué à Alien Isolation. Moi, c'est mon jeu d'horreur favori ever, Alien Isolation. Je suis pas un jeu d'horreur, j'aime pas ça. Mais Alien Isolation, j'ai surkiffé. À un point... Il y a tout le let's play qui est dispo sur ma chaîne YouTube. Je l'ai pas fait en stream à l'époque. Mais j'ai tellement adoré Alien Isolation. Pour moi, c'est une masterclass. Prochain épisode de Resident Evil 8, mesdames et messieurs, ce sera ce soir. Voilà, ce sera ce soir à 20h. Donc, rendez-vous ce soir à 20h, lundi. Ce lundi, soir. Et voilà, on va se faire une autre session de 4h. Et voilà, on va se régaler. Donc, vous n'aurez pas à attendre plus d'une journée pour la suite. Puisque, voilà, on se retrouvera directement ce soir à 20h. C'est ce qu'il cherchait le plus de tension que de la flip. Ouais, tout à fait. En fait, j'ai l'impression que le passage dans le village n'a pas duré assez longtemps, qu'on est peut-être allé un peu trop vite dans le château. Après, à voir, ça se trouve, ils nous remettront dans le village après. Mais le concept de horde et tout qui te traque dès que tu fais du bruit, ça, c'est cool. En fait, ça m'a fait penser un peu à Metro Exodus dehors, dans le village. Ça m'a fait un peu penser à ça. Ah, dans 19h40, exactement. Pour la suite, mesdames et messieurs, je vais vous laisser ici. En tout cas, c'était un plaisir. Sorus, merci pour le resub. BFX, merci pour les 22 mois. Akiro, merci pour le Prime. Bienvenue à toi. Rune Factories pour les 4 mois. Liros pour les 14 mois. Diof, merci pour les 3 mois. Merci aussi à Kadok pour le Prime. Jean Wolf pour les 10 mois.
Attends, quoi, tu fais RE Village? Incroyable, je vais pas dormir en fait. Sinon, bientôt un an, waouh. Merci Jean Wolf. Si tu peux dormir. Parce que moi j'y vais là, donc tranquille. Tu peux aller dormir. Sukiki, merci pour les 19 mois. Liamus Live pour les 8 mois. Rico Bro, merci pour le T1, bienvenue. Merci Kaedes pour le Prime, bienvenue. Niedril pour le Prime et Jeune pour le Prime, bienvenue à vous trois. Merci beaucoup pour votre sub. J'espère que ça vous a plu ce soir, que vous avez passé un bon moment, que vous avez aussi passé un bon moment pendant la Warprem, incroyable. On a pas ça, on a pas ce petit gala cet après-midi, voilà, c'était insane. Vous le voyez à peine, mais je vais le poster sur Insta. Et voilà, n'hésitez pas à me follow sur Twitter, Instagram, tout ça, pour suivre l'avancement, notamment de la Warprem et de plein d'autres petites choses qui se passent autour de ma chaîne. Voilà, voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve ce soir, 20h, pour la suite de Resident Evil avec Mamie Grollo, avec Gulliver Chan et tous les autres acolytes du château. Des bisous les copains, passez une bonne nuit. À ce soir, 20h. Bye bye.